Ça se trouve, la qualité, elle va être bien, frère. C'était à l'époque où tu te plaignais. Là, maintenant, je crois que c'est bien. Bon, ça a commencé direct, les gars. On est déjà dans la Oka, ça se pète déjà. Comment ça, frère? Je te jure, on est déjà dans la Oka, le frère. Attends, on n'a pas encore mis un pied. Là, on met un pied dans la Oka. Attends, mais je crois... Oui, je crois que j'avais de la base de baiser. Ah ouais, mais toi, t'es un ouf, toi. Mais tu sais que ça sautait d'un coup, ouais, c'est bon, je suis sur Discord, c'est bon. Dernier match, est-ce qu'on avait mis beaucoup de pistoles ou pas? Le chat, je m'en souviens plus. Sur les pistoles. Ouais, je vais te dire, sans rapidement. Je sais qu'on avait gagné 2-0, mais. Ah, mais non! C'est sur le stream, y'a de l'écho! Sur Discord! On s'entend, Jekyll? Aïe. Je me disais. C'est un perte de joueurs dans la Oka, justement. Ah, ça fait étonnant. On avait gagné 3 sur 4, ok, ok. Ouais, et c'est ça pour moi le gros problème. Attendez, il va vous régler ça. Face à des équipes comme PaperX, par exemple, quand le premier temps est arrivé. Que du coup, il faut faire. J'aurais trop aimé voir Sinet sur Raze histoire qu'il fasse 5 kills. C'est à ces moments-là que les Carmine peuvent être. Ah ouais. Il est isolé sur A là, Sinet. Ouais, de toute façon, c'est il met son wall, il garde l'info. Là, tel wall il va tomber. On a ouais. Quelqu'un shower là. Ouais, c'est Magnum. Ouais. Ou sur le timing du fait du wall, enfin, il va. Bah en vrai là, on est bien parce que ça se retrouve en 3v1 sur le site. Et si on arrive à le tuer sans qu'il prenne 2 kills, ça devient un 3v4. Au pistol, et c'est grave jouable. Je crois que Magnum a pris l'orbe, du coup, on est cramé un peu. Non, il a pas pris. Ok. On a l'info shower. Là, il joue au deck, on va arriver dans. Ouais, ça y est, le wall, frère. Aïe, narrate, il va tomber. Ouais. Sinet, il gagne son duel contre Magnum. Et là, il reste plus que Riyad, 1v5. Il a déjà fait. Ah, donc, c'est dur. Il va tomber. Pistol, pas grave, pistol, c'est de la chance. Calme. En vrai, ils nous ont bien éteint dans la Oka, genre ouais. On a même pas eu le temps d'exec ou quoi, on se fait allumer. Là, fallait juste réussir à tuer Sinet rapidement pour essayer de comeback le rune. Mais... Captain, il était carré, là. Mais ouais, impossible. En plus, il était là sur le timing du wall qui fade pour sauter sur Magnum. Par contre, là, pour le coup, leur compo, tu vois, ils ont pas de duelistes en défense, vas-y, ça va bien se passer, je pense. Mais arrive en attaque, ça va être dur de passer BP. Ils vont jouer beaucoup de... Ah, non. De quoi? Vous jouez beaucoup le A, non? Il y a un moyen. A ou la longue. Sauf s'ils nous font des trucs spécifiques avec des wall sages. Le slow est parfait. Il va prendre 2 kills. On va quand même revenge 1 kill. Après, là, on est full classique. Hein. On est que au classique. Ça va être un massacre. 4 kills sur la Viper. Ils avaient la bonne lead encore. Hein. Monte le son, je peux monter le son. Pas grave, c'est l'écho. Tous dans la Oka, ralenti d'abord par Sinet qui n'avait rien à perdre. C'est l'écho, on était en full écho, full classique. C'est un bug Discord. Non. Plus la molo, Yetuji avait tout ce qu'il fallait. Bon, bah on va regarder sur DLC, le VLC. Hein. Vas-y, attends, il est en train de régler. Seulement, moi je parle vraiment niveau confiance. Essaye là, regarde. Ah, bah y'a le bruit. C'est pas grave, on va faire le round comme ça pour l'instant. Il va relancer en boucle, donc il vous dira. Oulala, par contre, là, l'opérateur, on n'aura pas l'information. On a l'information, c'est bon. Ah, allez, encore. Oh, c'est magnifique. C'est bien de repérer cet opérateur parce que ça peut du coup permettre d'adapter un peu le gameplay. Est-ce que Sinet ose se replacer? Il y a pas le son du jeu. Bah, on est obligé d'avoir le casque. Si tu vas pas à Berlin, frère, tu veux pas avoir de clean feed. Ah, on a pris quelques dégâts sur Thomas, mais rien de bien inquiétant. Double satcheline, on va aller jouer. Ah putain, on a pris la flash de notre propre Gecko. Ça rend fou ça, frère. On va prendre le contrôle de la lampe maintenant. Vas-y, est-ce qu'il y a le temps de planter? Allez, attention. Ils ont déjà un opérateur. Hein. Ouais. Mais de toute façon, on a l'information. Et là, c'est eux qui sont en retake, donc tant mieux. Magnum. C'est dur. Arrête, tu vas prendre un deuxième kill. 2 pour 2. Riyad, Martin. Il reste que l'opérateur. Est-ce qu'on peut le tuer? On va le tuer. Magnifique. C'était le round le plus important là de ce début de match. Surtout pas se prendre le bonus en défense sur Bind. Allez. On lâche, je crois, mais c'est bon. Ils ont fait tomber un snipe en plus. Hein. Ouais. Mais du coup, là, ils vont pas. Est-ce qu'ils peuvent acheter full le. Je pense qu'il va jouer au Bucky ou Judge. Après, c'est pas dérangeant sur Bind quand en défense. Surtout quand t'as une sage, celle-là, elle peut stopper après avoir tué des gens avec le pompe. Je vais le mettre, ce qu'on a fait là, on les a forcés à reculer vu qu'on avait pris le contrôle de la lampe. On était dans leur dos. Ouais, il va jouer à la Stinger, hein, Sinet. Tant mieux. Allez, attention. Une smoke, attention à pas bouger sur la sortie, c'est bon. Ah, ta captain lui fait trop peur, frère. En vrai, c'est un des meilleurs joueurs, du moins à son rôle, ça c'est sûr. Et c'est un mec depuis l'année dernière, il est très solide. Hein.
Tac, en vrai, tout seul BP là, tout seul BP, il y aurait... Ça sort avec Martin. Martin qui va prendre le premier kill sorti CT. Il est dans le tube, attention, il est dans le tube. T'as la formation, ouais, Martin, go. Qui va enchaîner sur son deuxième kill. Récupère sa nade, du coup, va pouvoir planter. 4v2. Hors dinguerie, ça devrait bien se passer. C'est interdit. C'est interdit, mais bon, on en a déjà après, vu. Il y a des armes et tout, ouais, voilà. Normalement, ça devrait laisser. Pas besoin de... Sauf s'il prend un kill. Pas besoin de pick. Là, ça va envoyer Aziz, il va être cramé, 2v2. Riyad qui revenge, 2v1, okay. Et Riyad, triple kill. Double kill de Martin, ils ont fait le round à 2, c'est carré, 2-2. Il met du rythme, hein. Ça joue rapidement. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on a explosé hein, sur les deux rounds. Après, sur Bind, j'ai... enfin, moi, je me souviens du showmatch contre Heretics. Et après, la Bind d'après aussi, je crois, de mémoire, c'est très très explosif le gameplay qu'a Bind. Après, à l'époque, on avait d'autres compos, on avait Yoru en plus. On avait Yoru, général, même en général, okay. Genre, il y a eu des runes, on a joué lent, mais la majorité des runes, c'était vraiment ça. Ça se tapait, t'as envie d'exploser contre la compo en face, non? Ou ça n'a rien à voir. En vrai, il y a beaucoup d'anti-rush quand même. Il ouais. Y a le knife à esquiver, il y a Viper et Sage, ça qui est un peu chiant. Ah, j'avoue, avec les slows, attention, là, il y a un push shower. Ils arrivent à 3, mais on est sous burger, on est sous burger. Est-ce qu'on peut enchaîner les deux kills? On va pas se douter du troisième, paranoïa. Il est blanc, ouais, ah, il est mort. Bah, avant moi, ça donne de l'espace à sa team, et là, c'est Syned, j'espère qu'il fait pas de dinguerie. Ouais, faut tuer Syned, hein. Faut tuer Syned. Là, ce qui est bien, c'est que c'est Wingman qui plante. C'est bon, ouais. Paranoïa, si on peut récupérer, ça va. Regarde Discord, sur le call Discord, monte. Ok. Ah, 2v2, mais ils se sont donné une vraie option pour jouer le round. En fait, il y a le petit gecko des deux. Ouais, mais des deux côtés. C'est un peu le problème. C'est quoi, là, ça se joue à celui qui le lance en premier ou en dernier? Je sais pas, c'est un peu une situation un peu particulière parce que de base, tu l'utilises pour les BP. Okay. Là, ça dépend de quel gecko il est claqué. Ouais. Nice. Et je pense qu'on va même pas jouer avec le nôtre. Hein. Ah, si, ok, on claque. Attention, il a TP bon. Au-dessus du tube, on a l'information, on va l'éteindre. Vas-y, il est en train de diffuse. On a. Allez! La smoke elle oui, est bonne! C'est bon, c'est bon, la tue. La moitié est faite, attention! Ouais, attention, Riyad! La smoke elle est bonne, il sait! N'arrête! Ah, la moitié est faite! Je sais pas! Ah, il a le temps! Non, dommage! Il a le temps, on va prendre cet écho! Ils l'ont tellement bien joué cet écho quand même! Ouais, là, il a bien géré son clutch! Hein. Bah, le kill de Syned il est trop important! Genre un 2v2 et un 2v3, c'est totalement différent avec les armes et tout, genre... Non mais surtout leur push hour à la base là, ils leur offrent les armes, ensuite ils peuvent revenir, et après là... Mais là j'ai parfaitement son 1v2, c'est... Je sais pas s'il y en avait encore une molo, c'est qui, c'est Naraté sur Gecko? Ouais. Ah. Une petite molo et jouer autant, je sais pas. Ulti, ok, ulti assez passif. On a ulti raise, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il... On a ulti même dans le cul aussi, hein. Il s'en fout, il s'arrête pas. Non, ouais, mais okay, il a pas été pris. Ok, ça va, c'est Thomas qui a pris le kill, c'est parti, c'est pas mort. Là, c'est ça le plus important, c'est Y2G. Ouais. Ok, les repères, en vrai... Ok, 20 HP. Ouais, c'est lourd, en vrai c'est bien sûr. Et en plus, ils reprennent pas au spawn, hein. Ah. Ouais. Riyad, il bloque tout le spawn. On va aller en A ou quoi? Ouais, les gens, ils ont compris qu'il y avait beaucoup ou quoi. Ah, puisqu'on a entendu les TP. Du TP, mais là c'est qui? C'est Crax, il a quoi? Kayo, il a quoi en molo? Les gars, à la fin du round, je relance le lien comme ça parce que là, vraiment j'ai du retard. Vas-y. Mais à la fin du round. Allez, attention, il y a quelqu'un dans les lampes là, on le ping, on sait qu'il est là, Crax. Mais là c'est parfait, hein. Ils sont le spawn hein, et tout, hein. Ils sont trop bien. Aïe. Ok, mais Thomas, tu prends un kill. Faut pas aller prendre plus d'espace. Là, Shower, il y a un duel important aussi. Okay, Mac ça va, le Bangdam il le gagne. Bon, 4v2, il est tué 20 HP, bah il va tomber. Ouais, c'est bon. Il veut le mourir. Voilà, là, c'est bon. Ok, carré. Ouais. Thomas, triple kill, il récupère son ulti en plus. Par contre, on a tellement pas le temps de respirer, frère, entre les rounds. Ouais, ça va trop vite, frère, ouais, laissez-moi deux secondes. On a pas le replay, on a même pas le temps de parler tranquillement de... Après, je m'en souviens, le dernier match contre FUT, c'était la guerre aussi. Hein. Oui. Ah, mais ce round-là, il était incroyable, hein. Round-là, il était incroyable, genre, ils se sont adaptés très bien et très rapidement. Genre ils ont couru au spawn, ils ont gardé deux mecs au spawn, il y a juste un seul mec qui est parti chercher la lampe, ils ont compris que ça pouvait que backup du mid. Magnum il a gagné son duel shower, c'était une dinguerie. Hein. Ouais. Même la Chawa ça aurait pu être dangereux non? Ouais, ça aurait pu être dangereux, mais je pense qu'ils savaient que ça, vu que ça venait de la Wuka, il y avait un mini risque qu'il y avait un mec shower. Bon il y en avait un, il a gagné son duel, tant mieux. Hein. Attention,
Là, il y a un push là, de la part des flûtes. Encore une fois, magnifique Thomas. Il va contrôler ce mid. Et il va reculer. Et là, du coup, on va avancer B. Hein. Il y a encore un joueur. C'est toujours le même problème. C'est que le B, il est free, mais il y a toujours un petit joueur qui peut rien craquer. Mais là, ça va aller, c'était en vrai. Après, okay, là, ça va. On a pris l'open au mid. On a compris qu'en écho, ils aiment bien se regrouper, tenter des trucs. Il y a quoi, flash. Il y a full stop, Sined. Il y a encore les spawns, je pense. Tu joues BP. Hein. Même si c'est des shérifs et tout, tu joues BP, frère. Attention au lurk là, dans le cul. Oh là, ils sont bien. Y'a que Gecko qui a une flash pour reprendre là, y'a que des sauts. Attention, Elbow là, va y avoir une grosse bataille. On va Aziz. Oh, aïe, Thomas bordel. Qui va tomber. Pas donné plus, faut pas donner plus. Je pense qu'on a pas besoin d'aller si deep que ça là dans l'Elbow. Ouais, y'a Riyad pour. Ok, Riyad, okay. Magnifique, ça, ce duel était super important. Et maintenant, on va les éteindre dans l'Elbow. Martin, wesh, ça a arrosé de fou. Let's go, 4-3. Bien joué. Ils étaient en écho. Juste, va falloir faire attention à l'opérateur là, sur Silène notamment. Ouais. On garde 4 armes en plus là, on construit une solide économie. Ouais. Ah, tu me diras dans ce jeu, frère. Ouais, on a déjà gagné 7-0 et être en écho 7-1, frère. 6-1. Il y avait 6-0, 6-1, on était en écho, j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. On dirait, je sais pas ce qu'on a acheté. Même là, ça va là, économiquement, on est bien. On va avoir l'ulti-raise là dans une orbe. Hein. C'est ce qu'on veut jouer. Ouais. Ulti Sky. Sky. J'ai plus l'excuse de c'est le ramadan en plus. Oh calme, c'est tranquille. Raze il est loin de fou. Ça a même pas pris l'arbre. Non. Et là, ouais, ça repart dans les lampes. Non, juste dans la bordel outer, un peu en A. Est-ce qu'ils vont repush? Bah, ils gardent une double visu dans la aucun. Il reste quand même 3, hein. ils ont pris l'info mid, y'a plus rien shower. Je pense qu'ils acceptent la retech B, c'est juste s'ils jouent au cas et si ça exact long. Ouais. Si ça vient au cas, ça allume, si ça vient long, il laisse passer. Attention, Martin. Oh le timing, oh dommage. Ah y'a un slow. Ouais, attention. Oh, ils ont bien stuff là. Là c'est l'anti-rush dont vous parliez tout à l'heure. Et là le problème c'est que les wall sage début de round ça pue la merde parce que tu peux jouer lent. Mais quand tu le mets à une minute comme ça, tu le détruis pas, genre la zone est claire. Ah, c'est dur de rentrer là. Hein. Ouais, et de sortir d'une zone comme ça là, quand t'as autant d'anti-rush, okay. Heureusement qu'il y a TJ qui se donne. Attention là, il va enchaîner. Non, c'est bon. C'est pour 2-3 V3. 3v3, il y a quoi? Ulti Gecko. TP, oui, Magnum. Ulti Viper pour assurer le round. Il y a plus l'ulti. Ouais, là j'ai vu des travers possibles. Il joue à 2 QB, moi ça me fait peur un peu de jouer à 2 QB là. En fait, je sais pas s'ils savent qu'il est déjà. Ok, Naruto sorti. C'est bon. Parfait. Arrête. Oh frère, c'est vraiment une pose de raciste là à droite là. 2 QB dans l'ulti comme ça là. Jamais tu vas aller check le QB au fond de l'ulti. Deux joueurs. Moi ça me va, chef. Ouais. Mais là, en vrai, la game, tactiquement, ce que tu veux, genre, y'a rien de fou des deux côtés, c'est normal, ça joue, tu vois. Mais c'est surtout individuellement. Là, y'a Toujay, en vrai, je pense, son repositionnement, là, il est un peu douteux, du moins, genre, il est un peu late, et du coup, ça le nique dans son timing. Et s'il y a pas ça, je pense qu'ils sont vraiment Gucci, fut. Ouais, parce qu'ils avaient vraiment le bon call. Ils repartent en écho, cette fois-ci, on va jouer la shower. Heureusement qu'elle a pas proc un ennemi ou quoi. Ouais. On envoie l'ulti Gecko pour assurer, clear les lampes. On a eu YouTube, je crois, non? Non, ça l'a pas fait. Là, c'est vu. Ils vont pas aller grid. De toute façon, il y a le dog. Attention. Oh, on check le frère. Riyad qui va faire le doublé. Ok, moins 2. C'est bon, les lampes sont sécurisées. 3v4. Attention à la flash. Notre avantage. Ouais. Et c'est bon, Martin. Okay. Martin qui va protéger les siens à ta captain qui arrive dans le dos encore une fois. Il est au Stinger. On récupère l'ulti Gecko et ça va l'atomiser. Il reste plus que Sined. Oh! Ouais, il nous fait quoi le frère? Il a un revive. Il a un revive. Hein. Après le revive. Il peut pas le claquer en vrai. Si, en dessous de lui, hein. Ouais, mais il y a des mecs hauteurs là, c'est chaud. Ouais, mais genre, tu connais en mode. Donc claque-le histoire qu'il meure là. Oh. Il va wall pour diffuse. Ah, stop les frères. Ouais, chef. Heureusement, on a full tune. Ouais, bah.
Ah, il a perdu 300 gold sur le wall, je suis à le dire. 400 le frère même. Ah merde, c'est 400 maintenant. C'est 300 à l'époque, non? J'ai pas joué Sage depuis la bêta, frère. Effrayant le frère. Ah, quand il a posé son wall, je dis wesh. Lâche ça, mon frère. Moi, ça me va, hein. Ça me va, hein. On met le round. Le reste, ouais, on a pas d'ulti. En face, il y a des ultis monstrueux. Gecko, Kayo. Ah ouais, depuis tout à l'heure, je crois, ils l'ont, le Gecko. Bah, ils l'ont claqué une fois, mais ils l'ont récupéré là et ils arrivent pas à. Aïe, 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 Martin. C'est un peu dur en défense. Encore. Donc, vas-y, il va équilibrer là, c'est bien dans le mid. En plus, il y a le wall-up, ça veut dire qu'il peut rendre fou. Riyad, il a TP dans la Oka. La paranoïa est magnifique. Bah, il va pas les grid. Ils savent qu'il est isolé, ils attendent la flash. Ah, et les forces bâtards. Ah, il le sait. Ouais, là. Ah, en plus, il, a des... il vient coucher aussi derrière. Il a un bon, ouais. V4. Il l'a déjà fait. Il a un wingman. En vrai, Gecko, c'est le perso pour pouvoir clash correctement. Mais là, force à toi, quoi. Là, il cherche une tête. Bim. Ouais, attaque juste... Arbdam. Vas-y, monte ta tête, attaque Arbdam. Monte ta tête, mon frère. Il vérifie sur la TP, j'en pleure. Et il fait un doublé lampe, franchement solide. On évoquait hein, cette irrégularité. Ah, je te jure, ça peut partir en quoi. Ah, il a un timing, mais je sais pas si après, vas-y, il y a un garage. Joueur sur chaque flanc, frère. Ouais, ils sont 4 ici, forcément. Comment tu veux qu'ils s'en sortent? Après, tu doutes jamais de 4. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est que même s'il en tue un, il y en a 3 autres qui peuvent sortir instantanément de tous les angles. Il a fait un sale round quand même. Hein. Il a fait un sale round. Ouais. Il est dans la merde là et c'est difficile. Ah ouais, Thomas, Thomas, il est un peu arrosé, je crois, le frère. Il a pas voulu. Il a pas voulu s'appliquer. Il a pas pris prendre son temps. Hein. Ouais, il a pas pris son temps, malheureusement. Allez, après, c'est dur, hein, genre, t'es dans une petite allée là, t'es dans une petite porte comme ouais, ça. T'es sous panique totale. Tu fais une double décale, c'est chiant un peu. Ils ont gardé leur ulti. Oh, les ulti, mon frère. Ils ont gardé leur ulti. Ok. Le problème, c'est qu'elle a okay, mono. Il y a l'ulti Gecko qui part. Et c'est dans la TP. TP. Ok, en vrai, attendu, on se doutait. C'est bien, c'est bien. C'est bien de fou. Ok, un pour un. On force la TP. Ouais, un pour un et ça nous donne des infos. Par contre, on n'a pas la bombe. Ouais, ils est-ce ont qu'il l'info peut TP sur la Riyad spike. Hein. Riyad, faut qu'il prenne l'orbe Belong ou prenne un kill. Comme ça, il a son ulti, il peut prendre la bombe. L'orbe Belong, elle a pas. Non, il avait déjà son ult. Est-ce que si Ned, il a eu l'intelligence de prendre l'arbre? Elle va revive. Je crois que Riyad il va chercher l'orbe là. Ah ouais, ils savent qu'ils sont carrément 4 en 1 là. Hein. Et la bombe elle, ouais. elle est dans un endroit, ils peuvent la récupérer, ils sont obligés de s'avancer là, putain. Ouais, c'est oui. pour ça qu'ils font oh, ça. Oh non, Ray Riyad il va prendre l'ulti. Non, ouais. vite. Il se met à 3 dessus, c'est bâtard. Ah non, arrêtez. Il pourra pas l'avoir. Là il peut si c'est mal foutu. Ah mais là. C'était bien ah foutu. Ah mais il s'est fait cancel du coup, il se fait. Ouais, il du coup là c'était bien mis là. Ah, c'est dommage. Ah ouais, fallait juste rester en vie là-bas, je crois que c'est narraté au niveau du spawn. Ouais, narrate, ouais. Après, il y avait Sined qui courait. Ah, ils ont eu, la bonne lucidité, là, en mode... Ouais. Un vrai round voilou, là. Après, ils ont pas eu vraiment la lucidité, parce que Sinaret, il rate pas sa balle. Il prend non, un kill et il peut se recacher. De la TP, ah ouais, après, ils sont mis à 3, ouais. On a mis un peu de temps, nous, à récupérer cette orbe, justement. En fait, je pense qu'on avait l'info d'une Sage ou quoi, et quand ça a entendu TP, on s'est dit, ok, bah c'est free. Ok, ça fait 6-5. Après 7-5, ça me va. Find ma défense. Défense, mais surtout, en vrai, surtout leur compo, je pense qu'ils vont vraiment, vraiment galérer à attaquer. Genre, à moins qu'ils, vraiment, ils. Tu sais, genre, ils jouent pas de manière conventionnelle. Ouais, ouais, c'est ça. C'est sûr, quoi. Avec Caillou là, t'es. Genre les runes ils vont être un peu... Bah tu sais tu vas voir des walls un peu bizarres et tout, vraiment des deux côtés et tout, je pense, et ils vont sortir d'une manière... Ça me choquerait même pas que Sined il boost wall et il sort comme ça, tu vois. En mode Dalla Zub. Ou tu sais des walls vraiment sortis ou cas bizarres. C'est pas à notre niveau. Non mais les gars ils sont forts. Y'a rien. C'est ouf. Vous voyez tous les runes ça va... Toutes les games ça va être 13-2 frère, on est sur leur map. Giants la semaine dernière c'était vraiment ridicule hein. Là, on parle vraiment des mecs qui peuvent s'asseoir à notre table, je pense, pour dans le carré final. Ah, c'est ça, c'est juste au kick-off, on les a battus. Et dans la difficulté,
Mais sinon, tout le monde en parlait comme une équipe top 3 de. Genre c'était en mode déjà, c'était sûr, elle sortait du groupe. Ouais. Et FUT, les deux équipes qu'ils ont perdu, c'est Heretic, c'est cassé. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire, tu vois, sur la performance du kick-off. Au final, Heretic s'est cassé, c'était les deux grosses surprises. Dommage, Thomas. Ouais. Bulldog, il pourra pas prendre le kill. Allez, oui, bonne décale de la part de McDom. Bien joué, McDom. Petit caillou qui a été claqué. Une retake opérateur, c'est dur. Hein. Ils sont obligés de le jouer. De toute façon, c'est le dernier round. Par contre, attention, il est toujours dans le dos là. Je viens de voir, duel important à venir pour Magnum là, au niveau des lampes. Je pense en Magnum. En tout cas, le CT il est bien sécurisé là sur la reprise. Non, pas attention, regarde, il se fait wallbang, ok, il va pas tomber. Il a pas pris tant de dégâts que ça en plus. Petit heal, il est repéré, il y a touché, c'est plus important. Ok, magnifique Riyad. Putain, ils avaient l'information, mais Riyad, tu prends une deuxième tête. Regarde, tout le monde est dans le dos là. Parfait, 7-5, premier side. Surtout qu'en plus, ils ont vraiment une compo. Horrible en défense, moi je trouve que gagner le side c'est bien. Oui, non, c'est très très bien. Genre franchement on aurait pu se faire snowball. Et ce qui est bien c'est qu'on l'aura pas... Tiens on n'est pas tombé dans le piège de l'opérateur. Déjà qu'ils ont tout pour bloquer, si en plus tu donnes un opérateur et qu'on n'arrive pas à attaquer les zones... Je sais pas s'il a pris un kill à l'opérateur depuis le début. Si, il en a pris, il en a pris un de sûr. Je me rappelle sur le BPA mais... Tu sais genre c'est vraiment sur le BP alors que c'est pas en mode dans des longues ou des showers et tout. Il n'y a pas eu de kill surprenant. Exactement. Des retakes à l'ancienne. Avec le mur et tout. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Au sang dueliste. Oh là là, j'ai peur. On fera après des 4 ans. On est trop heureux, on est 4 ans alors. On est 4 ans. Donc il y a le wall, c'est un wall défaut, le wall de Viper. Maintenant, il faut voir ce qu'il en fait de son wall Syned. Moi, j'y crois pas au wall comme la bêta là. Et moi, pour moi, ils vont faire là le 1. Hein. Attention. Oui, Rim Martin. Solide voilà. Non, tombe, chef. C'est bon. Si, t'inquiète, il a une nade en plus. Ah, ils ont tout, il y a un dog. Okay. Allez, balance la nade sur le dog, le frère. Après, l'angle est bizarre. L'angle est bizarre un peu à mettre. Ok, carré. La smoke, one way. Moins 2, tout le monde est full HP, frère. Vas-y, il joue bien retake comme il faut. Mais pourquoi ils ont avancé en slow, non? Puis il y a un knife qui est parti, j'ai pas vu. Ouais, il y a eu un knife. Ok. C'est-à-dire ils ont dodge le knife, ils sont mis dedans direct. On chill maintenant. On joue retake en B. Et solide en A. Là le délire de fake il marchera pas là. Là c'est assumé de notre part. Eh frère, tant que le spike n'est pas planté, on bouge ça pas. Ça va pas bouger d'un poil. Frère, tu peux ramener toute ta famille sur le BP s'il n'y a pas la spike, c'est mort. Retake B solide en A, t'as vu? Là, juste, ça peut être dur peu sur l'homme en A, dur sur l'homme en A. Dur sur l'homme en A, Martin qui va prendre son kill. Mais en PR, Martin et Riyad dans l'opération, c'est 3v2. C'est pas free win encore. Ouais. Ils ont réussi à prendre un kill d'avantage. Après, on délai bien, juste Magnum, faut vraiment pas qu'il meure. On va planter maintenant, on arrête. Là, il doit regarder deux lignes, le mec shower. Ok, Thomas qui va récupérer le kill, il reste que Crax, c'est Thomas qui va enchaîner avec un deuxième. Thomas, par contre, je crois le frère Crax, il entend rien, frère. Ça fait deux rounds où ça lui court dessus derrière et il entend rien. Ça nous met bien, là. 8-5, bon, c'est bien. On met le pistol. Ouais, ça va, on égalise au pistol. Là, faut mettre l'écho et après, on est... En vrai, Thomas, il a des situations difficiles depuis tout à l'heure. C'est bien qu'il fasse les deux kills, hein. Il va être en confiance, hein. Ah, c'est vrai que c'est Viper, à chaque fois, c'est vraiment... C'est vraiment la... C'est le joueur sacrifice de l'équipe. Voilà. Il en faut tout le temps un dans une équipe, lui c'est vraiment le mec qui fait les sacrifices. Des sentinelles retake là. Perma retake, tu joues pas frère. Il spawn, il fait 3 pas, il attend. Mais juste ce wall. J'en connais un, il a eu la même saison là cette année là. Full retake frère. C'est de la retake. Ils aiment bien leur setup molly sur l'ample là avec Gecko. Mais après là c'est fort en écho. Et on sait qu'on a interdiction de jouer dans les lampes là. Hein. On va se regrouper. Allez, attention. Ok, là encore son wall Syned. Bah, par contre, ils savent pas pour les showers en face. Hein. Du coup, ça va être difficile de défendre. Ah, Thomas, il est mort. Ouais. Ça peut partir en coupe parce que là, il y a une double coupe shower là. Mon frère, ça pue. C'était nos joueurs qui avaient pas d'armes. Ok, Riyad, magnifique. En B. 3v4. En vrai, est-ce qu'on joue vraiment les lampes? Sort tout ça. Je pense que Tini, hein, tu smoke, tu nades. Je pense que vu qu'il y a des mecs shower, il serait bien d'y aller, mais bon, c'est difficile quoi. Ok, narrate.
Après, on se doit pas d'une double coupe, il y a une double coupe shower. Non. Ouais. Ok, Riyad, il va tomber. Dommage. On va prendre l'écho, on va prendre l'écho. C'est pas sûr. Pourquoi ils étaient à 3 au spawn au début du round? Je crois que ça jouait, tu sais, genre ça assumait, ça jouait en 4-1, je crois. Okay. J'ai vu Gecko instant reculer et je crois que c'était 4 en B. Oh. C'est comme ça qu'il est tombé, Thomas. Ils ont mis des patates, hein. Ouais. Ils ont mis ce qu'ils avaient à mettre là, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Enfin, en écho, c'est pas bah, du coup, là, c'est nous qui sommes en écho. Et ouais. Là, ils vont pouvoir construire une belle économie de vandales. 3 vandales de bulldog. Et ils ont de l'argent en stock. Et là, c'est full molo. Okay, il va falloir enchaîner là. Il va falloir, après ce round, déjà, si on arrive à mettre l'écho, on est Gucci. Si on n'y arrive pas, il va falloir enchaîner au premier round armé. Ça peut pas passer devant le TP et après ils ont rien à clear parce que la mode Gecko avec sa range. Là, le 5 hein. Stack B. Ah, on a déjà réagi. Ouais, le truc c'est qu'ils vont, ils ont le knife et tout aussi, ça tombe. Ouais. Là, ils vont stayer direct. Hein. On va prendre le kill sur Folly. En fait, ils ont pas full info de tout le monde. Genre, ils ont repéré au moins 2 mecs, voire 3. Ouais, mais après, 3, le fait qu'on soit en écho, ça. Ça Ah bon. Les bons après, à tout moment, ça part en couille, mais. J'y crois peu, le frère. J'ai plus l'impression qu'on va pas donner les orbes. Ouais, oui, oui, il y a de grandes chances. J'ai plus l'impression que ça va être un round de merde comme celui-là. Surtout en bas, surtout avec le Wall CT, là, ouais, vas-y, force. Voilà. Wall CT comme ça, là, vraiment, force à nous. Mais j'ai l'impression que il va faire que ça. Il va pas mettre des walls, tu sais, sur BP comme on met en ranked ou à la bêta. C'est en mode, ça va être tout le temps Wall CT, prise dans Wall CT. Prend ce kill. Non, jamais, il se doute de cette ligne. Ouais, il a casqué, mais bon, c'est casqué mignon, quoi. Non, ça va juste. Se faire exploser par le spy. C'est vrai que Martin il meurt. Hein. Il est à moins là. Ce serait bien qu'il s'achète là et qu'il se donne. Ah, mais je pense que le call c'est juste on se donne pas. Ah, il aura l'ulti pour le premier round d'armée. D'accord, mais bon, tu peux potentiellement donner à Gecko Kayo et je peux comprendre pas. Ah. Non, mais il va tomber finalement. Dommage. Okay. Comme prévu, ça on a donné qu'une seule orbe. Allez, attention, parce que là, ils sont bien au niveau économique. Ils reviennent en termes de round. Cet écho, il nous a mis dans la merde. Hein. Cet écho, il nous a mis dans la merde. Premier round armé du side défense pour nous. C'est à partir de maintenant qu'il va falloir être solide. Ouais, ils vont contester les orbes. Hein. Il a des line-up de partout, mon frère. C'est bon, on a compris que t'as travaillé, frère. Laisse-nous, wesh, laisse-nous respirer. Elle va où celle-là? Oh, là, choqué, magnifique, Riyad. Oh, la blanc, il y a même pas blanc en plus. Non, on est mort. Oh non, c'est bon, c'est ça, Chel. Oh, wesh, c'est quoi ce combo de fou malade? Après ça, avec mon duo sur Valo, frère. Bah, là, d'ailleurs, tu fais comme ça, je prends des double kills tout le round, frère. Ah, joue Clove Raze, tu fais que des combos comme ça, là, où Sova, Clove. T'envoies des expos et tu mets un truc de dégâts dessus, tu fais que des doubles triple kills. Ouais frère, ok, oui, Thomas parfait, très beau kill. Et là rien comme ça, on a annulé leur round là. Hein. Ils ont plus de smoke le frère. Ouais. Ça va être très dur par non, contre. Ouais, non, fallait pas grid un peu, ça c'est un peu trop là. Et ça okay, va, Martin, il y a la TP, c'est suivi, il y a l'ulti race qui part. Ouais, c'est peut-être un peu overkill. 3v1 hein. Le frère. Ouais, mais il a pas la spike en plus. Ouais. Normalement, round impossible à mettre pour Fallen. Attention, paranoïa. Ouais, bon, les gars, calme et sur le spawn. Jure, essayez de garder un peu. Je crois qu'il va même pas essayer, il va juste fermer les orbes, je crois. Là, il va prendre son ulti. Non, je pense qu'il allait. Ah non, il la joue. Ouais. Mais il sait que s'il prend un kill, il a son ult, hein. Non, mais bon, lui, c'est impossible là, à lâcher. Il prend le Wigman au cas où il doit claquer. Tout le monde va se cacher, frère. Qu'est-ce que t'as à faire si tu veux? Il va check mourir, chaque hein. Ligne. Il aurait voulu mourir pour avoir son ulti, mais ils l'ont dit. Ils vont pas donner l'orbe. Et là je pense qu'à celle-là, ils vont vouloir. De... Enfin, ça va hard contest les orbes, là, notamment Shower. Allez, la team. Là, je vois bien une reprise. Genre, ça joue fort long Shower et ça joue sur une reprise. Un peu comme Fud nous a fait. Bon, on n'a pas ulti Gecko. Mais genre une reprise via le TP sur les showers là.
punir justement la prise d'orbe. Ah bah là on est 4A, ok, non, ouais. Bah, même pas. Ouais, ah. Ils ont peur du Shigeko Caillou là. Ouais. Attention. Ah, tiens là direct. Ouais, bah là c'est une agression, chef. Oui, magnifique, ouais. Frère, on se barre, c'est bon. C'est bon, chef. Ah, ils ont tué Caillou, c'est parfait, hein. C'est bon, chef. Ouais, tout ça là. Bah, c'est carré. Tout ça là, tout ça là. On prend ce qu'on a à prendre, on se barre. Ok, ok. Parce que Riyad il fait là-bas. Y'a personne de toute façon, il a eu l'information avec le doc, ouais, ça va avancer. Du coup, il fait TP back de manière safe, Riyad. Oh, c'est en train de tout déclic là, j'ai peur qu'il y ait un mec qui s'est fait. Ouais, depuis tout à l'heure, on se fait. C'est le truc le plus important. Ah, juste parti, une fois. On regarde les lampes. On... Là, j'ai l'impression qu'on s'impatiente un peu là. Ouais, attention. Okay. On a tué. On a cancel la plante. Ah, ils sont déjà tous là, hein. Ça va être difficile pour fuite là. Hein. Ils sont déjà tous là. Allez, allez, Riyad qui va prendre un kill. Attends, à notre avantage. On sait qu'il y a quelqu'un shower, Martin est à la ligne, mais il va tomber, vite, oui, magnifique. Arme en main, frère. Lui, il a pété les plombs, le roi, là. Il voulait trop. Avant de Fallin, allez, Thomas. Fallin, il me fait peur, là. Est-ce qu'on a entendu ta captain mettre la smoke, là, du côté? Oula, je suis terrifié, frère. Aïe. On a fait la moitié. Magnum. Magnum. Là, c'est bon, c'est bon. Il en reste un, frère. Let's go. Ah non, c'est bon. 17, magnifique. Oh, j'étais terrifié, frère. Il était pas facile, ce round. Tu sais que à tout moment, on se prête transfert à travers la smoke, que ça partait en couille. Là. On était très en fait, une fois qu'ils ont planté, c'est trop dur. Ouais. C'est vrai qu'on était en avantage, en supériorité numérique. Hein. Magnum, il a mis une dinguerie, je crois. Ah, c'est net, il a abusé. On a bien la POV de Magnum, là. Je crois qu'il a vu personne. Wouah. Wow, il avait CHP, il s'est fait casquer au classique. Il avait plus de balles. Oh, ça se joue à rien! Ok. Ils ont de l'argent ou pas, tu sais? Ils avaient de l'argent le round précédent. Je pense qu'ils ont encore de l'argent parce qu'ils étaient vraiment riches avant. Ils vont acheter, hein. Ils vont acheter. Il y a Uchi Caillou. Il y a l'Uchi Gecko aussi là. Ouais. Mais je pense que là, depuis tout à l'heure, ils font des. Même avec les ultis, ils font des contrôles assez slow. Là, ils vont commencer à jouer ensemble. Hein. Depuis tout à l'heure, ils se font pique et tout. Ça voulait prendre l'orbe dans la shower, premier round d'armée, ça fait double décal. Ouais. Là, ça a commencé à jouer slow au début du round, ça s'est fait pique. Ouais, là tu penses qu'au début, ils vont vraiment rester compacts et essayer de punir les potentielles agressions, c'est ça? Parce qu'à chaque fois, on arrive à prendre des piques gratuits dès le début des rounds. Qu'on accepte, tu vois, on n'accepte pas de jouer reculé et tout avec les ultis qu'il y a. Après, je pense que Carmine, ils vont... Enfin, vous allez. Après, nous, on n'a juste plus rien à faire et... Ça va être un jeu mental. Un jeu de brain maintenant. On va voir. On a une Stinger. Ah ouais, on n'est pas riche, hein. Magnum en bon encore qui double la Vandal à je sais pas qui. Vandal ou fantôme. Magnum, il joue souvent avec cette Stinger en plus. Hein. C'est vraiment c'est une arme de raciste sous-côté. Je tiens à insister. Non, ils sont obligés d'avoir de temps. Encore là, ouais. Là, ça va jouer un peu plus safe côté Mr. Pauline. En fait, je crois que ça va provoquer des réactions sur le BPE opposé. Ouais, mais... Allez, shower, Riyad. Allez, il va tomber, mais il y a Magnum. Magnum, je pense qu'il a fait le timide un peu là. Et là, c'est chiant parce qu'ils vont gagner le round. C'est à part s'ils remettent le 3v5, mais ils vont gagner le round avec les ultis, frère. Encore. Ouais, ah. C'est vrai. Je croyais que t'allais dire c'est chiant, ils vont gagner le round. On m'a bien vu, le frère. En plus. Et encore, c'est des bons, ils auraient pu donner la bombe à quelqu'un qui avait, genre n'importe qui, tout le monde allait avoir son nul, quoi. Mais tu sais, c'est quoi le pire, c'est que, en fait, depuis tout à l'heure, il y a des ultis et t'es obligé de pas jouer normalement. T'es obligé de faire des trucs sur la carte. Et depuis tout à l'heure, depuis qu'ils l'ont, en fait, ils savent que Cassé font des trucs sur la carte. Et ils peuvent jouer avec ça, en fait. Cassé, c'est impossible. Le claque jamais, c'est... Ouais, c'est impossible, en fait, qu'ils jouent normalement, enfin, qu'ils jouent en classique, ça attend sur les BP. Ils sont obligés de faire un truc le temps qu'il y a les ultis. Et le problème, c'est que là, ils ont composant dueliste. Ok. Composant dueliste, et on le disait, en défense, ils sont très forts, ils ont beaucoup de choses pour stopper, mais ça marche aussi pour la high-tech. S'ils ont le PP, ouais, c'est ça, et qu'ils ont encore 152 stuff pour rotation de Smoke Viper avec Molo, avec Slow de Sage, Molo Kayo et tout ce qui. En fait, le round est déjà terminé. Tu vois. Ah, au final, quand tu plantes, c'est de la défense. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais oui, c'est ça en gros que je voulais expliquer. C'est ça que quand ils plantent la spike, on est dans la merde.
À part si, on a une énormément de stuff, mais le problème c'est qu'ils ont trop de stuff. Hein. C'est que moi là, moi je serais je les laisserais utiliser leur ulti. Parce qu'on est en écho et parce que ils ont besoin, il faut qu'ils les utilisent là, sinon ça va être la merde pour le side. Hein. Ouais. Il y a 18, c'est pas grave si on perd un round. Ça me fait penser à quand Zarma t'as un blitz, tu veux pas qu'il hook. Parce que là depuis tout à l'heure ils utilisent pas leurs ultis, ça nous met la pression de fou. Ah ouais, ouais. Et en fait s'ils gagnent les rounds sans utiliser les ultis, ah, mais c'est le même principe, genre ça te met la pression juste le fait qu'il hook pas, tu vois. Parce que t'attends à ce qu'il envoie son hook, mais c'est la même chose. Bon, j'ai vu deux judges, mais finalement non. On va pas... Ouais, non, si, on va écho pour Riyad. Je me dis, on n'a pas d'argent, sinon après... Il y a une pause, mais je sais pas si c'est tech-tac. Je pense c'est tech. On m'a l'air tech, chef. Hein. Ah non, time out. Non, oh. Time out de Heng. Sur le premier, hein. On n'a pas claqué avant. Depuis tout à l'heure, c'était des pauses de fut. Il me semble que ouais, hein. Ouais, il y a moyen. Heng, il sait. Dino, ok. Ouais, il sait qu'il faut qu'ils utilisent leurs ultis, là. Okay. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on est bloqué, là. Pas de 5 judges, j'en pleure. Ouais, ouais. Bah, là. là, c'est parti en force de baiser sa mère. Ouais. On va la jouer, on va le jouer ce round. Hein. On va le jouer ce round. Big shower, peut-être. Ils sont même 4 en A, c'est un pari. Et on vient de mettre une pression côté foot en B. En tout cas, ils sont pris la flash, je crois. Allez, Magnum, mais on tranquillement, ah. Il va se regrouper au mid. On assume le 4A là. Let's go. C'est bien. Ok, voilà, l'ulti Kayo qui part enfin. Nice, Martin qui va prendre le travers. Alors, Vandal en plus, bonhomme. Oui, Judge, oui, magnifique. Oui. Ils l'ont revive. Mais il est retombé, Krax. Et là, en vrai, c'était l'ulti Kayo le plus chiant. Attention, Mr. Falling, il va prendre le kill sur Martin. Là, faut tenir les lampes, ils vont TP. Il a plus de wingman, hein, ça veut dire, il est obligé d'aller planter. Il peut. Attends, par contre, est-ce que Sinead il va jouer le revive en late? Non, ok. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu aller chercher le revive. Krax, il est 2G. Ça se jouait tellement. Revive TP, banal, mais bon, je comprends, ouais, le respect. En fait, si je crois, ouais, il croyait que ça te fait push. Ok, l'ulti Gecko qui part aussi. Il gagne du temps, il récupère, il l'a encore. Oui, Attention, ok, attaque Captain. J'aurais pas dû faire ça. Après, il y a la flash. Ok, magnifique. One more, let's go. Du coup, ils ont utilisé tout en plus. Ils ont tout utilisé et on a mis le round. Merci, Egg. Parfait. Du coup, le force qui passe. On a gardé 4 armes. Ah là c'est vraiment la merde pour fut, hein. C'est vraiment la merde, ils avaient toutes les ressources qu'ils avaient là, ils ont plus rien, il y a 11-8 en plus, pas beaucoup de rounds avec lesquels tu peux négocier, c'est vraiment la merde. Ouais. D'accord, plus j'allais dire, il y a moins que ça joue Judge ou Bucky et tout, pour réceptionner, tu vois, si ça fait trop les malins dans les close range, ah, là ça a tellement disrespect. Ils savent, ils sont dans la sauce. Tellement disrespect les lampes. Mais là, Riyad, il continue au judge, hein. C'est bien. Bah, c'est vrai qu'en fait, depuis le début, on n'a pas abusé du judge dans la lampe et on se faisait reprendre la lampe assez facilement. Ouais, genre, ils étaient en mode, vas-y, force à vous. Maintenant, ça te met une pression maintenant que t'es mort une fois du judge là-bas. Magnum. C'est une knife, t'es... Les line-up de fou. Franchement, frère. Et c'est les deux joueurs qui décalent au skill dans les cheveux. Allez Martin. Ouais, il y a une ligne de fou un peu là, non? Allez Martin, dommage, je peux pencher sur le deuxième. Il a un revive, c'est pas worse. Ouais. Je vais claquer le wall. Je prends. Ça, je prends. Bon, c'est un 5v4, mais bon. Ouais. 5v4 du coup. On deal comme on peut le frère dans les OP comme ça là. On prend, hein. Ouais. Là, ils sont tous en haut là, faut qu'ils fassent un truc avec. Hein. Ah, Ulti Viper. Okay, Ulti Viper, mais c'est pour sortir un BP, tu vois, c'est un truc de pression. Hein, tu l'aimes pas celui-là, Fachi? Bah, je sais pas, hein. Ah ouais, si, hein, un peu quand même. Hein. Un peu beaucoup, même. Hein. On a envoyé Ulti Sky en B. Okay. Ils ont encore toutes les options. Okay. Je pense que Magnum, il s'est dit, mais Ulti Sky s'est repéré et... Ouais, ils ont encore l'option de repartir en A. Rediriger en A, ouais. Mais finalement, ils vont vraiment aller en B, c'est pas du bluff. Ok. En vrai, bien tenté. Ah ouais. Bien tenté. Oh, Thomas qui va prendre un kill en sortie. Peut-être qu'il va tomber en sortie de Lucidie et 2G. Il va TP là. Magnum. Jamais. Oh.
La flash, McDam. Non, il avait arrosé de dur. Fou. En vrai, non, c'est dur, en vrai, c'est dur. Parce qu'en gros, le temps qu'il récupère là, mais... Ouais. Non, ouais, il reste que Riyad. Ok, il va tomber. J'aurais quand même save, moi, une fois que c'était posé en B1. C'était difficile avec Viper, là, mais ouais. Difficile, non. En fait, dès que Thomas, il meurt, je pense, faut annuler, c'est ça? Ou même avant. Après... En fait, vu qu'ils ont pari le A, et qu'il est... Ouais, je prends l'invisible avant d'aller. Ils ont parié le A et tout, ouais, genre il n'y avait plus rien en B là. Reprendre, ouais, reprendre à 3, à avoir à 4 de là ou 4, frère, c'est mission impossible. Hein. Frère, ils t'entendent, ils savent que vous êtes trop loin. Ouais, ah ouais, problème 4v5, c'est dur psychologiquement de save un 4v5 quoi. Les amis, on est à une orbe d'avoir l'ulti raise, une orbe d'avoir l'ulti gecko. 11-9, il nous faut deux rounds de plus. Il y a la bombe, hein. Il y a la bombe, le frère. Ouais. On la voit pas. Oh, je suis dégoûté. Non, on l'a pas vu. Oh. Mais en vrai, c'était dangereux de rester ici, comme. Ouais. Ça, c'est tranquille. On a récupéré l'orbe ou pas? J'ai pas vu. L'orbe. Ouais, si, on a récupéré l'orbe sur Martin. Oh, c'est de fou. Attention. Ils reprennent les showers et regardent. Hein. Ils savent qu'on lâche nos zones. On va y une smoke, ça va. Et surtout la smoke, ouais. Lâche. Ouais. Ça valide complètement le fait qu'on lâche. Belle analyse, mon pote, quand même. T'as vu, je commence à comprendre ça. Ouais, tu commences à ça. Je commence à comprendre, t'as vu. Pour pouvoir reprendre les lampes, c'est vraiment pas mal d'options qui s'offrent à lui là-dessus. Plutôt, on repère quelqu'un. Paranoïa, même. Très très bonne paranoïa. On va bien les ralentir. On va sortir shower là maintenant, côté fut. Est-ce qu'il va être check? Il est blanc, il est blanc. Ouais, ça fait une heure, il est flash, frère. Ok, Martin a récupéré un kill. Martin, mon frère, je comprends juste avant rien, de tomber, allumé, ouais, crevé, parce qu'on ouais, l'a vu tomber du ciel, côté. Frère, 2v2. Et du coup, 2v2, voilà. On récupère une arme sur Riyad. Il peut se repositionner avec son ulti. Ouais, il y a juste Martin là qui a l'élément de surprise, là, et sa fa où il est. Après, ils savent qu'il est dans les lampes, du coup, ils vont attendre le mec lampe, donc... Oh. Il l'a casqué, là. Ouais, il a pris un casque, je suis pas ouais. Fou. Le problème, c'est qu'on se doute pas qu'il y a les deux. On n'a pas eu l'info avec l'ulti chez Riyad. Non, je pense pas. Attention à cette ultimate, va permettre de s'approcher du spike, le toucher une première fois. Est-ce que ça panique? Pas vraiment. On a l'air de ne pas y croire du côté. Allez les frères. Ah, c'est dur. Là, y'a plus d'ulti surtout là. T'es dur, frère. Là, commencez pas à crier. Même là, quand ils crient, je les ai entendus, ces bâtards. Ah, ils ont crié, le kill était déjà fait en vrai. Non, ouais. Bon, frère. Au même timing, frère. Je sais pas, est-ce que t'es convaincu, toi, de la manière... Putain. Ah, les flashs de Krax là, elles sont incroyables. Hein. Ouais. Sur le backside là, c'est... il est trop chiant. Il a pris une full flash. Allez les gars. Je crois, est-ce qu'on a l'info du Wall qui prend le CT aussi? Ouais, je crois qu'on a l'info. J'allais dire, en vrai. Et là, il y a eu 3 kills, l'info. 3 kills. En un instant. Allez les gars, 10-11. Time out encore. Ouais, t'avais raison. C'était la première. Été. En vrai, tu sais qu'il aime pas trop timeout, Heng. Ouais. Ah, je pense qu'il y a des moments où, d'autres teams auraient timeout et lui, il le fait jamais. Je pense que la préparation, elle est bonne avant match. Même si tu... En gros, il doit se dire, même si tu perds les rounds, genre, la continuité, elle est bonne, tu vois. En mode, la continuité du plan de jeu doit être bonne. Quand il timeout tôt, souvent, c'est vraiment que... Bah, je crois qu'on l'a vu, c'est ouais, peut-être c'est pas que ça part. Ouais, c'est qu'en mode, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça va être bon les gars, vas-y go se reconcentrer sur ce qu'on doit faire. Dit. Voilà, exactement. Et là, juste qu'on est sans solution et que le plan de jeu suffira pas, genre. Allez, 11-10, on est en écho. Et à chaque fois qu'on te fute, c'est la bagarre, frère, c'est la bagarre, voilà. La debza. Et imagine s'il y avait des duelistes dans la gamme. Ouais, ouais. Là, on a un ulti gecko, on peut partir en trap au niveau des chars. Oh, on est en écho. Non, on est quoi, vraiment oh, fait, écho, ouais, de chien, frère. Il n'y a pas de rotation d'ulti chez nous et ils l'auront avant. Ouais. S'ils l'ont, ils l'ont bah, avant nous. Non, commencez pas avec Wallbang, Riyad Miskin. On est sous Ghost, frère. Se positionner dans le coin à droite, je pense qu'on n'est pas non plus négligent. On est sous Ghost. Ouais, là, ils sont en contrôle, hein, ils respectent. De toute façon, souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, les équipes vont faire un petit freeze début de round en mode après pause. Ouais, mais il y a moins qui se doutent aussi. Ah bah il a son cul. Vas-y écarte-toi Narrate. Oh. Oui, oui. Non, 30 HP, 30 HP frère. Elle a pas tué, elle va se faire heal, fall in. Paranoïa Dryad, force la Molly, mais il récupère la lampe.
Oh la molo qui peut bien ouais. accompagner. Hein. Elle est où la molo, je la vois pas. Non, c'était la molo de Narate. Ouais, ouais. Ah, dommage. Magnum qui saute de partout. Ils ont attendu. Voilà, le runcinet de HP aussi. Sauf que ça tourne, mais c'est qui? C'est Fallin, il y a toute l'info que ça tourne. Ils ont entendu courir et tout. Ouais. Attention, c'est les on leur donne des orbes. Ok, Narate au Ghost. Il a 2 HP. Hein. Bon, attention, il y a Fallin derrière. Ouais. ouais. Est-ce qu'on va s'y attendre? Oh. C'est rien, il met une patate. Non. Bah, Narate, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Allez, c'est pas grave, c'était l'écho, 11-11. Maintenant, il faut juste mettre 2 rounds d'affilée, c'est tout. Ouais, c'est la bataille, hein. C'est la bataille, c'est dur. Ça rend coup pour coup, là, c'est dommage. Parce que si Skill est récupéré par Martin, ça change la donne. Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils finissent? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est un lurker ou pas? En fait, allez, là-dessus. Je pense que c'est très difficile en se mettant du point de vue de cassé avec les informations qui sont en disposition de comprendre quoi. Time out, fut. Ah ouais, ça c'est round val au plan ça. On n'a pas de counterplay en quelque sorte. Il y a un truc qui arrête, tu rigoles, mais il y a grave moyen. Hein. Mais oui, c'est sûr, time out, un truc là, c'est vraiment round val au plan. Il a ouvert le cahier, il va leur dire allez, toi va là-bas, toi va là-bas. Autre chose, c'est une petite baisse de régime individuel. Allez, 11-11 du coup, 11-11, on a le petit gecko. Et moi, il fait des signes avec sa main, c'est sûr, c'est un de valo plan, les gars, je suis terrifié. J'ai vu la même chose sur FIFA la dernière fois, C'est quoi, round valo plan? En gros, là, le coach, il est en train de leur dicter le round, vu qu'ils sont en attaque, en plus, ça a plus de sens. Offensive 4-4-2, pressing latéral. En gros, à l'entraînement, tu travailles des rounds. Toi tu vas mettre ta molo là-bas, après toi tu vas mettre ton truc ici. T'envoies double truc nanani, double smoke ici, tu mets ton wall comme ça. Toi t'avances dans un temps, tu mets la pression là-bas, après tu reviens et tu fais tes trucs et c'est ça. T'as un round scripté. Exactement. En plus là, t'as son opérateur en attaque, j'en pleure frère. Ah je te jure que... je sais pas hein. Ah ouais, ah, merde. On a opérateur des deux côtés hein. Et là regarde les deux mon frère. Oh putain. Là ça fait un duel de bagarre. Oh putain Marshall. Et ça va, il va pas chercher plus loin. Ah mais c'est un petit peu différent là. On s'en douterait pas même. Après il est off angle, genre. On veut pas aller chercher Jeep. Ah ouais, je sais, mais justement, est-ce qu'on se doute pas qu'ils ont l'opérateur? Jusqu'au market qui fixe des... Voilà, Moulo là qui va sortir shower. Et voilà, ça va le plan. T'attendais à 1-15 et ensuite... Après, là, vu que c'est l'opérateur, ouais. Il est obligé de lâcher, hein. Mais attention à Martin qui est au contact et qui n'attend que ça. Ah ouais, ils vont l'envoyer à 40, non? Ouais, ouais, ouais. Carré. Tous se valent au plan pour ça. Et là, il y a un comme ça. Tous se valent au plan pour... Juste avant, c'est vide. Après, ils ont de l'argent dans tous les cas. Ils peuvent même racheter un opérateur prochain round plus une mandale, frère. On s'en fout, voilà. Si on met ce round-là, c'est bon. Ah, attention! Il a vu les deux ou pas? Ouais, il a vu les deux, C'est bon. Narate il va... Ouais, Narate il est trop bien. Narate il est trop bien. Bah c'est simple, c'est on garde un off-angle sur le tank, on rentre pas dans les lampes. Il laisse poser ouais, parce qu'il est en snipe. Magnifique riade, magnifique riade. Pas de risquer, genre... Ouais. Ils ont de l'argent... Ah ouais, là le round il est assuré, y'a rien à faire, 4v2. Ah, pas assuré 4v2, mais... Ah, je te dis, j'ai la flemme d'un overtime à 20 000 rounds. Je ah, pareil. Voilà, c'est... Là, quand même, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait dans le mid, là. Hein. Ouais. Il y a 11-11, il y a une smoke devant toi, frère. T'attends même pas qu'elle fade. Il restait 2 secondes et tu traverses comme ça. Ah, j'ai pas trop compris, hein. T'es bon. En vrai, tu sais que ça aurait pu quand même marcher. Mais ils décalent même pas ensemble, frère. C'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'ils décalent pas ensemble. Ils sont juste sortis de la smoke. Ça, c'est juste s'ils savent pas compter jusqu'à 3 ensemble, c'est tout. Il y en a un, il a bien entendu que le premier décale et après je décale. Un baiter, c'est ça que tu veux dire? Oui, le frère, un giga baiter, je dirais même. Le Chigeko des deux côtés, mais il y a un ulti Kayo qui est disponible à une orbe. Kayo, tu peux avoir un revive mid-round si tu plantes plus. Attends, mais ils savent pas qu'il a un snipe Narate, non? Il y a moyen ouais, savent pas. Hein. Ouais, ils savent pas, 100%. Ils ont pas l'info. Hein. Ah, ils ont pas pris full shield pour le dernier round. Surtout Narate, quoi, c'est dommage. Enfin, c'est du détail, mais... Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas la première fois que ça arrive où t'es trop focus, tu réalises pas que... Ouais, tu parles sûrement du round. Ouais.
Ouais, on anti-rush. Il peut pas le récupérer. Ah, ouais, c'est ouais, un peu les frères. Il a été eu, ouais, Riyad, il a lâché, c'est bien, c'est bien. Ok, mais la mollo, mais du coup, on a dû lâcher les lampes. Ah, j'aime pas trop ce round. Ok, Martin, j'adore ce round, frère. Oui, okay, Narek, moins 2. Ulti Gecko de notre tour maintenant. Riyad qui tombe dans les lampes. Il a son ulti, il peut récupérer la bombe s'il TP. On a tué personne avec l'ulti Gecko. On a l'information. Ça va wall. Ok, il a récupéré la spike. Ils ont pas tilté, ils sont proposés, wesh. Non, non, ils ont pas planté. C'est un 3v4, mais on peut être dans la merde, frère. Hein. Ouais, c'est pas évident. Ok, il donne pas la bombe à Kayo, c'est lourd. C'est pas évident. Parce que là, du coup, on va pouvoir claquer notre stuff pour la reprise. On a rien pour combo la flash de Magnum, là. Bah, le Wingman. Et la One Way, vas-y, la One Way, elle rend ouf. Je comprends pourquoi les gens ils jouent de plus en plus au même. On va passer Elbow, mais là, on doit accélérer. Allez. Ah, je t'ai réfléchi. Ah, c'est bon, on l'a tué. Thomas, oui, il y a que Sined. Il est au cas. Merci. Let's go. Attends. Oui, on a le temps, on a le temps, chef. Ouais. On a le temps, chef. C'est pas difficile. J'ai pas le son. Bah là, je voulais. Let's go, les amis. 13-11. Oh, les bâtards. Ah, ils nous ont fait chier, hein. Légit, Thomas. GG. Cette équipe fut, hein. De toute façon, avant la saison, elle était annoncée comme top 3. Ouais. Top 3-4. Et là, je pense que c'est le top 3, mais pas avec Fnatic, Navi devant. Ouais. Après, Navi, ça joue, mais... Genre plus top 3, Heretics cassé et 3ème fut, je pense. Oh ouais, de toute façon, c'est Fnatic, Navi, fut dans le top 3. Après, là, il y a eu les surprises Heretics Kakor. Et... Même en défense, je sais pas s'ils vont être si forts. Bah, il y a 3 sites, frère. Mais moi, c'est en attaque, ça me pose problème. Comment tu vas contester la scène là? Ah, mais comment ça attaque en plus? Ouais. Ah, à tout moment, ils font 12 rounds en 1. Hein. À tout moment, ils font 12 rounds en 1 et. Exec sur exec. Hein. Mais tu sais que ça me choque. En tout cas, faut qu'ils jouent très très haut. C'était quoi leur combo raciste, Fachi? Oh, c'est Bridge, Gecko, Raze. Ah, avec ouais. Cypher, Omen. Tu sais que je suis tellement terrifié quand je vois un Bridge, frère. C'est le meilleur perso du jeu, j'ai pas peur de le dire. Tu sais que ça me choquerait pas qu'ils font 12 rounds en A et que ça soit la seule fois qu'ils sortent la compo de la compétition. Non, en mode pour surprendre KC. Mais tu sais qu'une fois qu'ils ont planté, j'ai envie de mourir, hein. Mais frère, c'est... Une fois qu'ils ont planté, je sais pas ce qu'il nous reste. Tout mais le monde là, tu sais qu'ils ont fait un tout droit. Elle, la tête, ils ont fait un tout droit, ils se sont pas arrêtés. Ah, j'avoue que ça va être très dur, en plus il y a le mur de Viper qui est là. Ah, par contre, l'arrêté que par le tri, elle est très bien. En plus, il avait arrosé au début. Bon, voilà. 2v3. J'augmente un peu le son. Non, mais meurs, frère. Ok, Thomas, il va tomber. Dommage. Faire le pistol. Et en plus, au début, il avait raté ses balles là, au niveau du tri. C'était quand même pas une mauvaise idée. Après, au moment où on a une Odin, c'est fini cette histoire. Moi, je veux juste pas que ça joue énormément autour du B là pour casser. En fait, faut qu'ils jouent haut partout sur la carte. Faut qu'ils contestent la scène, faut qu'ils contestent le lobby A. Et là, en fait, ils ont pas grand chose pour prendre des trucs. Non, mais bon, tu sais, Lotus, comment c'est dur, frère. Bah, triple BP. Tu peux pas contester partout. De partout, tu vois. Voilà, on est en full écho. Le classique. Voilà, ils vont se scouter autour du A avec le spike en C. Wesh. C'est quoi cette cache, frère? Ok. En mode, ça met une one way pour. Pour la cam, là, je devinais. Ouais. En mode, ça là. C'est safe, genre. Les Turcs peuvent dire que cette position est en fait abandonnée. Le stack se trouve essentiellement sur le A. Le A qui a été pris à moitié. Je pense qu'on n'a pas le bon pari. Bon, ils vont rotate là, non? Est-ce qu'ils vont tomber dans ce piège? De toute façon, nous, on accepte. Par contre, il a une Vandal, hein, Sined. Hein. Ok. Ah, pour un, on perd Magnum au niveau de la map. C, du coup, ça va leur ouvrir le C. Ouais. On va récupérer une Vandal pour la potentielle retake. Je sais pas si on va se faire exploser par l'orbe ou par la spike. Il y a moyen que la Vandal, on la save. On la save, on est en écho sèche de fou, frère. Je crois que ça reste plus worse de save une Vandal. Ok. Quand le spike est planté. Après le round, ce serait vraiment... Ah ouais, tu le sais ça, Brahms ou pas?
C'est une question que je pose. Hein. Je sais pas en vrai, je pense. C'est quoi quand c'est posé, t'as 300 en plus. En défense, je sais pas si t'as les 300 en plus, je crois pas. Mais genre le save, il est pas. Tu sais, c'est pas le malus normal, je crois. C'est un malus différent, je crois. Peut-être j'ai de la merde, genre. Mais je crois que t'as 2.9, ça revient à la même chose, moi. Ah ouais. Donc si le mec il veut s'amuser avec la vandale, il s'amuse frère, sinon il après, est con. Après tu peux pas la rendre non plus, tu vois. Ouais. Tu peux pas la rendre et tu peux pas donner un point d'orbe, donc Ouais, c'est ça. Le mec il fait ce qu'il veut. S'il veut jouer ses orbes, s'il veut... Ouais. Là tu vois, il a save là, Tomasi. Ouais, ouais. En tous les cas, ça revient même, c'est juste qu'il y a les orbes plus les... Le fait de la rendre, cette vandale... Ouais, voilà. Bon, allez, pas de bonus s'il vous plaît. Déjà, le bonus round à jouer pour la casser, un round très important. Là, on va voir. Là, faut mettre ce round et après, on va voir comment on va jouer. Tu sais que t'as mal parlé, j'ai vu le pistol, je suis vraiment terrifié de comment ils vont nous jouer, ces bâtards. C'est vraiment. Tu sais que vraiment, pour moi, c'est juste le temps qu'on comprenne, non? Ouais, pour moi, s'ils jouent haut, là, il n'y a aucun problème sur la carte. Hein. Non, mais en mode. Tu sais, genre comme le gameplay de Lotus, mais là, cette fois, t'as même pas besoin de Sky ou quoi. Genre, si tu vois que ça conteste quelque part, bah hop, tu fais le balancier ailleurs. Ok, revenge. Ok. Oh, je prends, on a de l'obia, frère. Allez, attention, Thomas. Elle est où la scène? Je la vois pas sur la. Ah oui, elle est ok. Mais là, ils veulent réagir, sauf qu'ils ont quoi? Ils ont leur. Ils ont rien du tout pour sortir là. Hein. Ouais, TP au main, quoi. Mais frère. Non, on a arrosé. Ok, Magnum qui vient le sauver, il y a du qui tombe. Mais il a raison, en vrai, c'est la haisse, frère. Ils ont rien, frère. Là, il met juste une molly, ils sont dans la merde. Narrête, il a le B. En fait, moi, c'est surtout sur la capacité d'adaptation, là. Est-ce qu'on va réussir à s'adapter ou quoi? Ah, j'ai l'impression que... Bon, pour l'instant, ça se passe, tu vois. Attention, hein, faut quand même mettre ce round 4v3. Oui. Ils ont quoi? Ils ont une Vandal et une Bulldog? On reprend l'information. Non. Du C. C'est dommage, ça. Un HP Crax. 3v3. En plus, il a gardé des armes. Oh, Falline, il a capté le duel très important. On a gardé un kill gratuit, la kill gratuit. Heureusement, on a raté tranquille. Sur B de Riyad. Ouvrir la porte. Je crois qu'ils vont pas rentrer dans la porte, hein. On va aller en B, non? Non, même aucun s'engage, a été trompé. Là, on veut jouer retake, là. On joue reculé à la mort. On accepte que c'est du A et c'est pas du A, on joue retake. Il y a toujours son wall. Est-ce qu'il va pouvoir le placer au niveau de cette tower pour... Planter. Non, ça va être placé. Ok, ça va planter défaut pour la hauteur. Voilà. Ouais, il est bloqué par le wall là. Allez, attention, attention là, là faut pas donner faut lâcher, deux kills. Il le sait. Ok, très très beau kill. Un V2. 2v1, pardon. Ouais. Il peut se heal, mais il va pas, les, il va pas le faire pour pas donner la pause. Ouais, il joue bien là, c'est qui? Narraté, okay, joue bien. Narraté, il a très bien joué là, il s'est pas précipité sur la reprise, il baitait la reprise. Regarde, il a eu un duel super important là, quand ils ont double décal. Parce qu'ils ont pas vraiment double décal au final. Oh putain, ça faisait peur frère. Non, ça va, en vrai ça va, parce qu'il a pas décalé sur la même ligne. Faire 3 armes. Mais bon. Le rune est mis, c'est l'essentiel. Ah non, bien sûr. On a de quoi... Ouais, ça va. Avec une bulldog... Par contre, les ultis qu'ils ont en face, ils ont pas de réel ulti, hein. Ils ont ulti... Moi, je me pose la question, en fait. Le seul truc qu'ils vont pouvoir faire, et qui est viable, c'est s'ils prennent le Lobia, c'est faire des splits avec le wall, mais... Ouais. On va le prendre, le Lobia, avec la compo. Ah ouais, je pense... Oh. Ouais, on peut pas le choper, là, sur la sortie, non. Trop de smoke, trop de... Ok, ils ont lâché. On a le lobby, oh, parfait. Voilà. Ouais. Bonne chance sur la carte maintenant. Thomas-y, j'ai peur. Comment pas peur, Et ils ont même plus de dash là. Ils ont aucune flash, ouais, ils ont TP, que la part de flash. Envoyé ses molly et c'est carré, non? Ouais. Faut bien jouer avec le fuel là. Ouais, faut bien jouer avec le fuel là parce que. C'est casqué, on le sait, on l'a vu casqué. Hein. Ouais, c'est juste le temps qu'on s'adapte, mais c'est chiant, frère. Hein. Alors, cela dit, plus ça dure, plus ils peuvent se débarrasser. La nade. Y'a pas un wallbang spoke là? Ah, je pas. Après, y'a un timing dans le dos là.
Ah mais il attend, ouais, il enchaîne, il se retourne. Il allume le salopard. Il allume le salopard. Riyad qui va Riyad, prendre un V3, Riyad. Montre-moi tes talents de clutcher, mon pote. Ok, ok mon frère. Sined il est low, ah dommage. Dommage. Dommage parce que Sined était vraiment low. Il avait pas trop le temps non plus Riyad là pour bien clutch. Allez. Quand il va avoir le BP ça va être chiant. Mais en fait les retakes ça va être trop chiant. Et là sur vraiment les empêcher de rentrer, bien joué. En vrai ils ont bien joué. Ouais. Genre, il a joué dans la smoke, il savait sur le timing auquel il avait fait, du coup la flash elle partait. C'est le pire, c'est que je viens d'y penser, ils ont même rien pour casser le stuff de Killjoy aussi. Hein. Pas de choc d'or, pas de rien du tout frère. Ce timeout il est bien. Et là c'est pas parce qu'on joue mal ou quoi, c'est juste que là on a besoin d'adaptation et peut-être un peu plus de recul sur ce qui se passe. C'est dommage, je sais pas lire sur les lèvres, je kifferais savoir ce qu'il dit. T'inquiète, il n'y a pas beaucoup de lire sur les lèvres. Très surpris de ne pas avoir de ballon sur le serveur. Il ne comprenait pas le bon Yuen. C'est leur map, non, c'est la nôtre, celle-là. Il avait une poker face à toute épreuve. Hein. Vraiment, Yuen, on le voyait dans les postes tactiques comme être. Celle-là, c'est la nôtre. Allez. Ah, oui. Je suis d'accord. J'aime bien ce genre de petit fait divers, tu vois. Oui, bah, ça se voyait. Il était dans le coup, Yuen. Mais bon, on le connaît, il est du père. Et là, on a les gens professionnels. Très concentrés avec les valages sous les yeux. Parce qu'évidemment. On est content avec combien en défense là ? Sachant le début de map. Effectivement, alors après cette petite conscience... On est content avec quel score là en défense, sachant qu'il y a 3-1. Et que pour moi là leur compo en attaque là, s'ils mettent plus de 4 rounds, ouais. Ça me fait peur. Hein. Ok. Alors là on avait 1000 pistoles, non on n'a pas 1000 pistoles. Non, on n'a pas 1000 pistoles. Ouais. Ça m'aurait pas choqué s'il y aurait eu enchaînement de 10 rounds. Bon j'abuse, tu vois, mais. Ouais, bien sûr. Je pense que 4 rounds c'est en mode. C'est even, tu vois, des deux côtés. Ouais. Sachant qu'on est en full écho là. Ça me rend pas heureux cette information là, j'aurais pas dû demander ça. Ouais, en fait, j'avais déjà l'info avant ça. Là, c'est après, le scénario là, c'est après, vraiment ça scénario empêche pas, parfait, tu vois. Tout de suite. Ça empêche non, bien sûr, bien sûr, ça pas dire. Ne pas jouer comme on l'expecte et tout. Et... Bah, même nous, on peut surperformer en attaque et même sous-perf leur part en défense. Mais vas-y. Et on part du principe que voilà, ça joue normalement des deux côtés. C'est un bon d'avoir laissé un blanc, ça. Oui. Non. Après, on se doute. Oh, il est trop long, là, pour signer. Allez, s'il vous plaît, mon frère, vas-y. Bonhomme. Genre, ouais, en écho, ils aiment bien envoyer signer en mode scout. Comme déjà, on sait. Effectivement, et là on a toujours le. Tu sais que je suis curieux de savoir pourquoi ils sont allés lancer. Il les a entendus, Sined ou. Je pense pas. Mais je pense qu'il a eu la smoke. Ils sont là, ils voient rien, ils vont quand même lancer. C'est pour ça que je. En fait. Et Mac, je pense. En fait, je pense. Hein. Enfin, moi, la réflexion que je peux avoir, c'est. T'as toujours un gars qui scout. Et si ce mec-là, tu le vois pas, tu le repères pas pendant tout ce temps-là, t'as plus le scout, le stack BP, tu vois. Ouais. Je sais pas, il est allé loin quand même. Hein. Ah, mais il a vu personne justement. Ouais, je sais, mais. Mais ça peut puer aussi le stack opposé, frère. Ouais, mais l'info. Justement, quand il y a un stack opposé, souvent, je dis bien souvent, t'aimes bien avoir quelqu'un quand même de peu opposé qui prend la faute. Ok, Magnum qui met une patate, allez, est-ce qu'on peut prendre ce deuxième kill? Non. Non, Riyad qui va tomber. Allez. C'était et aussi, on stack souvent les BP aussi. C'était dur. Historiquement. Genre, on a jamais stack le C de mémoire. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment. Il n'y a que l'ulti Viper qui peut, entre guillemets, faire chier, quoi. Ouais, et c'est sur des ultis. Des ultis de merde. Ouais. Nous, on va avoir ulti Raze, ulti Killjoy. Genre, c'est des trucs qui peuvent vraiment nous débloquer des situations, mais. Ouais. Là, c'est parfait le snipe parce qu'il n'y a pas d'initiateur. Le seul problème, en fait, c'est qu'il le joue en A où il y a le seul truc pour le déranger, le mur, là. Le wall, ouais. Ouais, mais on sait, il met de la caméra, tu sais, il met de la cage plus la caméra. Ouais. Mais même, tu sais, que jouer BP ou snipe contre cette compo, ça aurait même pas été dérangeant. Hein. Non mais si tu te fais, imagine Jet Dash avec Common TP, tu vois. Après il y a personne qui peut t'aider quoi. Genre sur la woodbox. Ouais. Regarde comment il décale la blanc là. Ouais. Ils ont rien de toute façon. Il a juste démoli et c'est terminé pour eux, ils peuvent pas avancer, on peut temporiser pendant longtemps.
Ah ouais, là c'est vraiment le... Mais d'accord, il laisse beaucoup d'espace, hein. Là c'est off angle, on joue safe. On veut juste peut-être arnaquer un kill et jouer retake. Mais je crois pas que c'est la tech, hein. Je pense qu'on aurait dû un peu avancer en A, c'est ça? Bah avec un OP, tu vois, ça te permet de lock une zone de manière agressive. Et là, t'es en mode passif, limite, t'aurais pu avoir une visu vandale. Décalé sur le mur, ouais, voilà, kill, voilà, carré. Décalé voilà. Sur le mur, c'est carré. On prend. Bah, je suis... Le draft. Il va aller où, le frère, mais... Mais le frère, il a pété les ponts. Ulti fade directement, ça arrive, il est touché. Ulti Viper, et là, ils vont claquer leur ulti qui fait chier. Y'a pas une nade là pour le tombé. Dé, ah, il est mort, Martin, il est mort. On se retrouve en 5v4 alors qu'on a juste open frag. Regarde le homen où il est. On gagne ce duel tri, hein. Il gagne full time, ok, un point, ouais, non. Il a pas tué, on arrête, il est tombé. Je te dis, le round pue sa mère. Ah, il est trop dur, le round. Ouais. Salut. Non, ça, en vrai, là, ça va être dur. Frère, ils ont une compo d'enculé, frère. Ouais, mais normalement, on attaque, c'est la merde. Frère. Catastrophique. Mais frère, le problème, c'est que. Ok, bah, ils ont rien pour prendre les zones. Mais s'ils ont les zones et ils passent BP, c'est fini. Et le problème, le délire de double smoke, tu peux quand même jouer en reprise. Ah. C'est ennuyeux, tu vois, sur du contact. Et l'opérateur, c'est une bonne solution, mais. Je sais pas, plus profond, plus deep. Mais moi en fait, même le snipe, si on joue pas au snipe, on lock au moins, tu vois, mais je sais pas, frère, j'ai l'impression que parce qu'on est derrière au scoreboard et tout, ça veut pas jouer aussi haut, je sais pas. D'habitude, Lotus, on stop, hein. Ce sont de meilleurs ingrédients que l'écho qu'on a connu précédemment. Ils étaient wesh. Équipés et... Vraiment, je crois qu'on était sur un autre jeu, frère. C'est quoi ce skin? Le viseur, il a trop de flow. Ils ont un plan aussi, c'est quoi, c'est une Oda ou une Ares? Ah, c'est une Ares. Ouais, c'est une Ares. C'est une Bruenne. Une Bruenne MK9. Ouais. Vous allez blague de Geek Call of, le frère, oui. T'as capté. T'inquiète, t'inquiète. Ah, t'as vu, tu m'as lancé, j'ai envie de jouer maintenant. On remet la one way, on a Martin, mais il va être check Martin. Ah bah la force. Et là on joue home, comme il a dit, il là, a malheureusement c'est quand on est en écho, genre. Ouais, c'est ça. Putain, Siron, c'est tellement de rounds, Siron. Ouais. Et après, je vous dis, c'est pas snowball, garanti. Hein. Je vous dis, c'est pas garanti quand même la défense, tu vois, genre. Ça peut. Non, ça va être chiant, mais. Genre, imaginons si eux à l'inverse, ils doivent jouer peut-être un peu plus reculé pour bloquer et qu'ils perdent un gars à droite à gauche comme ça là, sur des contests de zone, bah ça peut être vraiment à notre avantage. En plus, je crois qu'ils ont de l'argent jusqu'à la fin du side. Quasi, ouais. Ils ont de l'argent jusqu'à la fin du side. Allez. Il faut gratter un maximum de rounds. Oh, sa mère, j'ai beaucoup de raisons. Et après, overperf en attaque, on a des sales ulti. On a 4 ulti, ouais. Non. Wesh. Mais comment il est pas tué? Je sais pas. Toi, la balle, elle est pas vraiment partie, même si on l'a vu tirer. On a, y a eu le bruit, non, en tout cas. Il est parti, il a tiré un tout petit peu à côté, je crois. Ah ouais. Ouais, y a eu le bruit et tout. Hein. Tout de suite au 5v4, redirection sur le B, engagement. On avait Lucy Raze et tout en plus. Mais allez, en B, c'est bien. Allez, par contre, on est pour deux nous, en B, c'est là. Bien. Pour nous, ça, ouais, ça peut être bien. Genre, autant les extrémités, c'est très chiant. Avec la narrate, okay. Ah, il va se revenge. Allez, mon frère. Allez, okay. Magnum. Non, okay. Donc, on peut pas enchaîner. C'est la tourelle en plus, sa mère. On peut pas enchaîner. Il est lourd. 3v2. Ah, c'est bonhomme, c'est tout. Très handicapant, il est déjà partiellement, je crois, détruit. Shin veut faire le tour, il a une paranoïa. Et on comprend en fait. Ils vont aller en C. Il y a Thomas déjà. Au niveau du CT. Ouais, vas-y, plus loin, crack la coupe, le frère. Ouais, regardez la coupe là. Oh là. Ouah, c'est vrai qu'il est loin de fou, frère. Un 2v2. Hein. Ouais, mais on le sait pas. Hein. Ok, Thomas. Allez. Peut-être un petit peu trop tard. Thomas, salut. Mais je pense qu'il est sous pression de mon pote, il est loin. On a Thomasy qui est au contact et là on le sait pas du côté de la cassée qu'il y a un joueur qui fait tout le tour, le joueur. Ah, il est vu. Ouais. Et là ouais, Prax il va arriver finalement. En fait, ça fait 7 du deuxième, mais on savait pas. C'est du deuxième ou troisième, je ouais, crois. Ouais, on sait pas où il est. Dans, c'est dans le sens, ouais. Et là c'est dur là. Là c'est dur, je crois qu'on repart en écho, hein.
En plus, ça traverse bien la minimap. Celui-là, il le mérite pas. Celui-là, par contre, oh, si, à la minimap, si, à la minimap. Ah, il y a la minimap, ok. Ouais, parce qu'en gros, son pote, il est mort, il avait cross. Repart en écho, oh, c'est dur. Et depuis tout à l'heure, on a ses ultis en poche, là, on les claque pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un BO3. De toute façon, bon, la map est finie, mais t'as capté. La map est pas finie, frère. Ok. Non. Les armes, c'est le spawn là, carrément. Ouais. Magnum, au shorty. Magnum, mon frère, sois le plus raciste possible, mon frère. Au shorty, il peut pas enchaîner 4 kills, quoi. Oh. Non, ouais. Non, dommage. C'est un Magnum qui va tomber. Oh. Dommage. Et là, ils ont planté, ils vont planter, ça va être dur. Plus revive. Bon. Ouais, non, non, là c'est. On a dit là, on 4, se on fait 8, snowball là. Frère, là. C'est dur. Là, on se fait snowball. C'est vraiment des chiens. La tête de moi, c'est des chiens. Une compo, mon frère. Par de la ranquette, mais vas-y, frère. Je suis terrifié de l'attaque, frère. Une compo, tu décales tout à blanc et bonne chance, frère. Mine de rien, c'est quand même surprenant quand même. Quand tu passes sur une map ou sur bain, il y a tellement d'utilitaires. Et là, les mecs, ils te décalent à blanc, genre, comme ça. Sans stuff, rien du tout. T'as une jet qui décale le lobby avec son dash. Regarde, il va tomber. Ça fait 8. Oh, faut gratter là. Faut gratter 2-3 rounds là, les mecs. Faut gratter 2-3 rounds, mettre le pistol. C'est le seul moyen là. C'est le seul moyen, les mecs. C'est pas vraiment individuel. Ouais, non, mais je pense qu'on se fait surprendre là. On s'attend. Non, non, mais la compo, mais... c'est sûr. La compo. Frère, là, on est d'un point de vue spec, chill, à froid et tout. Enfin, froid, ouais, t'as capté, tu vois. On n'est pas on stage. Une compo comme ça, même en ranked, t'en croises pas, frère. Donc, forcément. Après, en vrai, la retake, c'est dur. C'est notre point fort, mais contre cette compo, c'est. Non, c'est mais là, c'est une compo entièreté. C'est Et je te dis, ça me choquerait pas que la semaine prochaine. On doit changer notre style de jeu. Ouais, ils vont plus jamais la jouer, quoi. Oui, il y a moyen, ça me choquerait pas. En vrai, je sais pas. En regardant le replay, tu peux avoir trop d'infos. Attention, Thomas qui va tomber. Allez, on a ulti qui jug et tout, là faudrait utiliser ça. Ulti reste, c'est chez nous ça. Voilà, c'est Ned qui tombe. Du coup, il n'y aura pas l'ulti killjoy, le boombot, il a 54 HP. Ah, Magnum est tombé, Martin, il va prendre un deuxième kill, mais il va tomber. Riyad qui va revenge. 2v2, 2v2. C'est mal planté, il y en a, il est derrière le wall. Il y a le wall. Narrate qui va gagner son duel. Mais là, c'est carré là. Là, c'est bon. Il y a la diffuse là. Il peut pas mettre le round, il peut pas. Ok. Voilà, parfait. 8-2. Ouais. Allez, si on va chercher le 8-4 après, pistol. 8-6, il n'y a rien passé, frère. Hein. Si leur compo elle est dure en défense. On met 8-4, on va chercher le pistol. 8-6, c'est rien passé, frère. Ouais, et en plus, elle est dure leur compo, mais c'est jouable. Contre, tu vois, si tu prends ton temps, t'as du stuff et tout. Donc c'est vraiment faisable en attaque. Hein. C'est vraiment, vraiment faisable. Hein. Juste, ça va être chiant, quoi. Ouais, ça va pas être facile. Va falloir jouer long un peu, quoi. Allez, on a ulti Viper là, ulti fade, ulti killjoy, du coup on l'a gardé. Ce qui va être chiant, c'est qu'on n'aura pas droit à trop d'erreurs. Ouais. Ok, parfait. parfait. Martin, c'est un mort vivant là où je rêve. Ouais, il a 3 HP le frère. C'est vrai. Il a une nade. Oui, le rapport, j'en sais rien. 4v5. C'est quoi là, on veut jouer comment là? Ils veulent reprendre info, mais ils ont pas de stuff. Ouais. Ça décale à blanc. Ouais. Mais le problème c'est qu'on a pas eu le timing. Là y'a Riyad qui met des coups d'épaule encore. Ah, il a vu. Ah, s'il a vu. Là ils vont juste marcher en haut, je pense. Hein. Ils ont l'espace. Ils ont vu qu'il y avait un mec stairs. Ça va ouvrir la porte bientôt. Ah, on est revenu hein. Cheat nade peut-être, reveal dans le tri. Ah, c'est bien là. Ah, il rentre dans un deuxième temps, fall in, mais on sait qu'il y a un gap. Il est tout G, il avance. Moi j'ai peur qu'on ne requiert pas le tri là pour l'afterplant là. Il est au mène dans le dos là, il fasse des kills. Regarde, il est pas dans le dos là. Il a vu. C'est bon, nice. En plus, ils reviennent en haut. Ils reviennent en haut parce qu'il y avait l'ulti killjoy et là, ulti fade. Et là, on les a cadenassés. Ils ont plus de son. Narrate qui va prendre le premier kill sur Krax. En plus, il y a killjoy pour refermer là, ouais. Les Magnum. Oh, il va manger. Ah oui.
Oh le raciste de fou. Ok, et là on va travers avec Riyad, magnifique, 8-3. Bon, j'ai trop aimé comment on a joué le round là avec les outils. On a jonglé avec eux. On les a vraiment forcés à aller là où on veut. C'est qu'il met, il fait du bien. Allez, 8-3. On cherche le quatrième, on met le pistolet, l'écho, 8-6. Les gars, il s'est rien passé. Alors qu'on se fait sombre depuis tout à l'heure, et c'est comme ça. On l'a déjà mangé ce truc. On a un ulti Viper. Il y a pas de. Ouais, il y a un ulti Viper aussi à une orbe en face. Ils ont le Tierman, il y a moyen qu'ils fassent une folie un peu. Genre, t'es. Non, ok. TP dans le CT. Ok. Ah non, c'est bon. Bah ouais, tu vois, ils s'y attendaient même. Ouais. Tu vois les pings et tout. Moi, il a commencé au niveau du CT. C'est bien, c'est bien. Et on a Ariad qui est bien deep aussi. Hein. C'est bien. Non, Tek est déjà là aussi. Ouais, ouais, là on est prêt à accueillir là. On est prêt à accueillir. Juste ce que j'ai peur un peu, c'est Riyad versus Yetouge au niveau du A là. Ça peut provoquer un retour de fou. Oh, il a vu. Elle a été vue, c'est bien. Là, les deux vont reculer. One way. Oh, il avance, il est touché. Non. Il a pris un timing de fou. Oh, ah mais c'est l'outil qui est parti. Je veux dire pourquoi Martin il recule, il est. Ah c'est bien. Magnum il joue intelligemment là. Non, il a pas assumé. Ok bah, Magnum, attends 30 BP. Oh non, Sinead sent le chien. Bizarre. En plus c'est dommage. Il a tué Martin là-bas. Un pas de plus sur le côté là sur la première décalée. Il roule comment il se joue. Ouais. Voilà. Genre le mec il est rentré dans sa cage, genre c'est comme ça qu'il a fait la différence. Ouais. Franchement, il rend. Hein. Bah, de toute façon, ils doivent jouer avec. En fait, vu qu'ils ont pas d'utilité, ils sont obligés de jouer comme ça. Ah ouais. Utilitaire. Ils sont obligés d'inventer des trucs. Et ça marche. Hein. Punis, non Et ça marche. Allez. Là, ce qui est bien. On passe en attaque. Ce qui est bien, c'est que. Il peut parler au freestyle. Et vraiment, là, c'est vraiment essentiel, tu vois. Enfin, quand je dis il peut, je parle de Aang, pardon. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que là, il peut déjà anticiper et dire, les gars, attention, ils vont devoir jouer comme ça, etc. En gros, la condition de win, c'est ça. Et attention à pas se faire stopper sur les BP, tu vois. Faut vraiment faire crasher du stuff. Allez. Il nous faut ce pistol. Quoi qu'il arrive, sinon, ça va être trop dur la suite de la map. Contre leur compo défense. Pourtant, Foot ne l'a joué jamais. C'est là la surprise aussi des trois cartes présentées. Ici. Ah ouais, ça joue lent comme ça. Il y a quoi là-bas en défense là? Il y a un wall, une paranoïa et une mono Viper. Ok. Et je pense qu'il y a la smoke de Viper aussi, accessoirement. Il a posé le mur quelque part ou pas? Non, il l'a encore. Il l'a encore dans l'inventaire. Ok, carré. Ouais, si. Ouais, par contre, je l'avais pris un casque et du coup, c'était une balle. Ouais. Attention, on trappe Thomas qui va tuer Yetouji. Magnifique. Okay. Parfait. À un moment, je savais pas si je devais célébrer. J'ai eu un doute de non. En fait, c'est nous en défense maintenant. Non, c'est bien nous. Allez, c'est bien là. De toute façon, en fait, si on mettait pas le pistol, la map était quasiment finie. Et tout est possible sur Valo, mais. Après, tu vois, vu qu'ils ont pas des ultis de fou, c'est pas en mode c'est sûr, tu sais, genre chaque round se joue. Là où des fois t'as Exodia et vas-y, force. Et narrate, 4 kills en plus, parfait. Les orbes sur fade. Ça annonce un bonus round peut-être pour le blue ball. Là c'est bien là, ce que fait Cassel, hein. Dès le pistol. S'ils font des travails de cartes comme ça, qui prennent leur temps et tout. Leur défense ça va servir à rien du tout, putain. Ils ont pas de sky ou de fate pour reprendre des informations. C'est-à-dire qu'ils sont obligés soit de décaler pour reprendre des informations, soit assumer leur défense. Et ouais, s'ils sont impatients, c'est fini pour footballiste. On investit, hein. J'aime bien ce que tu dis, frère. De toute façon, je pense qu'on va quasi jamais 5-0. Ah, on s'attendait pas. Vas-y, lui. C'est dur, ça. On va le retrouver, le frère. C'est dur, on avait quelqu'un au gosse, donc normalement, il y a une arme à récupérer. Ouais. C'est qui qu'on perd? Raze, ça veut dire qu'on peut plus exploser BP. Après, voilà pourquoi c'est ok. En vrai, c'est ok, dans tous les cas, tu veux faire crasher le stuff avant de faire quoi que ce soit. Et du coup, Crax, il a pas claqué son wall, hein. Attention. Ça peut nous niquer dans le round.
Ok, paranoïa. Non, il est pas blanc. Mais pourquoi? Tuez-le, faut pas qu'il prenne 2 kills. On prend sur toi un magnum qui accompagne. Ok, on a raté. 3 pour 2, c'est un 2v2 maintenant. Et là, on va faire Ok, c'est le gagnant. Ok, magnum, vas-y, mets-le. Eh, hey, t'as une tourelle. T'as toutes les raisons de le mettre au monde, frère. Finalement, c'était mieux sur Raze, hein. C'était plus facile. C'est bon, il a mis la tourelle. Depuis le temps que tout le monde le dit, ils le font enfin. Je récupère la spike maintenant. Est-ce qu'il a besoin de récupérer la spike? Il attend juste le contact de la tourelle. Mais surtout, l'enjeu du spike à récupérer et à amorcer pour Magnum qui ne sait pas où est l'adversaire. Après, la tourelle est placée, donc la tourelle. Mais sous fantôme, il est au fantôme. Fantôme en vrai. J'espère que c'est un joueur fantôme. Magnifique. Ok, let's go. Fantôme. Ah, c'est tellement un joueur fantôme. On s'est fait déchirer sur l'écho, frère. Non, mais c'est Sined, c'est une anomalie ce qu'il a fait ce round là. Vas-y, vas-y. C'est une anomalie. Mec, dans la tête. Frère, Martin Miskin, il l'a envoyé dormir, frère. Tu sais que je crois que c'est ça. Je peux pas dire de la merde, mais c'est sa première game sur Jet du Split là. Hein. Attends, je vais aller voir. Il y a grave moyen. Ça le met sur des Chambers, sur des Raze, alors que vas-y, lui il s'est fait un nom avec Jet, frère. Ouais. Et... Je te jure, c'est la première. Attends. C'est Starfall là, notre bonus. Je suis mort. En vrai, ça va, on a deux armes. Attends, tout vas-y, c'est pas allumé. On a un pistolet silencieux à la limite, frérot. Allez, tombe, frère! Il a mis des dégâts. Ah, mais il va se faire. Putain, attends, il aurait pété avec le boom mode, mais dommage. Il y a Magnum qui met de la pression. Attention à pas être trop audacieux comme ça là. Ouais. Et souvent, Dal, la raison, c'est comme ça qu'il doit jouer. Ils n'ont pas tout à fait cette nuit tombante, elle va être récupérée à l'instant avec cette. Ah, 5-0. Et le problème, regarde la map, ils comprennent. Ouais, ouais, ouais. Ils ont des molos, ils ont pas de molos. Ouais. Ah. Non, le wall est touché. Et là, il y a la smoke qui nous stoppe. Ah, là, on est baisé. Ouais. On respecte, c'est bien qu'on respecte, c'est bien qu'on respecte. On est dans la merde. Le round n'est pas fini. On a encore la bombe et tout. Ouais, ah ouais, non, c'est encore jouable. C'est encore jouable. Ah, le wall, mais par contre, Viper, j'ai la flemme. Est-ce qu'on va s'y attendre à cette Viper? Ouais, 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 non, raté. Tu es ce gars. On va pas s'y attendre, chef. Non, c'est regarde this guy, oh, maybe non. On regarde plus. Ah, regarde, dommage. Probabilité l'OHP, c'est non, non, arrête. Arrêté. Oh, j'y ai cru, ouais. Le problème, c'est qu'on a trop vécu avec ce gars. Frère, ce mec, t'as vu, 1v4, 20 HP, je crois. Ah, surtout BPA Lotus, tu vois, c'est pas une autre map, c'est bon. BPA Lotus. C'était le bonus et bon, c'était vraiment pas un bonus évident. Ah, ces deux kills là, ils nous font vraiment mal. Là, par contre, on a plus trop le droit à l'erreur. Eh, Fatih, on est d'accord que quand tu le check fade là, ils te disent il y a combien de joueurs oui, sur oui, la zone. À la, à la fin de l'outil. Ouais, en gros, à chaque. Là, il me ça touche, non? En gros, ça fait tutu, voilà, exactement. Donc, chaque tuc, c'est le nombre d'ennemis touchés. Et à la fin, Fade, elle dit, ouais, 2, 3, 4 ennemis touchés. Mais là, c'est difficile, c'était 3 en plus. Non, ils ont été pris qu'à 2, je crois. Ah, ok, ok. Je me suis dit, pourquoi il va traverser un mur alors qu'il y a aussi 3 mecs derrière? Je suis quasi sûr d'avoir vu que 2 mecs. Ok. Parce que je regardais la map, justement. Allez, c'est maintenant les gars. Et là on enchaîne du round d'affilée. Même si ça finit à 13. Time out. Franchement, c'est le meilleur timing de time out parce qu'après c'est trop tard. Ouais. Après c'est fini là. Si tu perds ce site. Je suis d'accord. Si tu perds ce round armé, t'es en écho, y'a plus rien. Je mal à l'œil. Ce stuff qui fait la différence. Ah. Est-ce que finalement ça les aiderait pas à remporter un side qui d'habitude est compliqué sur Lotus, un side défense? Pour l'instant, on aider, ne sait pas. Allez, mais 10-5. Ça peut les aider. Oui, je suis pas un fan effectivement. Je rigole. Là, j'ai vu le chat. J'ai vu un truc dans le chat. Ça m'a fait rire. Ok, Riyad, ouais. Je sais pas où tu l'as tué, mais je vais accepter. Ouais. Ah, je crois que c'est un travers smoke. Hein. Ah, il faut, frère, hein. Ça fait partie du jeu. Frère, on a vécu, c'est à nous dire maintenant, ouais, oui, c'est bon, frère. En vrai, ça va, on peut pas trop se plaindre ce début de saison. On en a mis pas mal. Hein.
On les a provoqués, c'est tout, c'est pas de la chance. Exactement, du travail. Que quand ça nous arrange, hein, le frère. Logique. Tu sais que la pose de l'étougé, j'aime pas, hein. T'aimes pas, j'aime pour, lui, genre, pour, nous. Pour lui, pour ah, lui, okay. Pour lui. Parce que, en fait, à ce niveau-là, tu vas être check, tu dois être check. Bah, en silver, t'es jamais check là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Genre en ranked et tout, tu peux le faire parce que. Et voilà, bah oui, c'est un dog. Check, sous-dog, tu vas pas voilà, prendre de kill cette fois. Voilà, et puis Syned, lâche ça, lâche ça, Syned, lâche. Mais moi, je comprends pas pourquoi il y joue là alors qu'il y a personne qui est là pour jouer pour lui, surtout en fait. Ah, je sais, il y avait un semblant de Syned, c'est tout. Oh, ça ping, hein, ça veut travers. Garder des armes là, c'est la hesse là. Ouais. Non, ouais, on aurait pu trouver une élimination ici. Là, la Ritech en vrai, avec leur compo de merde, c'est impossible. Ils n'ont aucune paranoïa. Ouais, en vrai, ouais. Hein. À part si on y a même pas de nez. Y'a rien, y'a rien. Y'a la paranoïa molly, mais bon, c'est rien de bien grave. Les cages lui, hein. On a pas de nez, ouais. Martin est tombé. Ok, Thomas, bien joué. Ça a décalé sur la très reveal. Très bien, lui, les reveals. Du coup, Crack se fait allumer vu qu'ils ont pas détruit la reveal. Carré, lâche ça, mon gars. Mister Fallin. Ça en est bien, là. Ça fait 10-6. Allez. Là, si on met le prochain round, on est dans un snowball de fou parce que on va avoir un cycle d'ulti et ils auront rien pour le stopper. Ils ont rien, même pour détruire. Ils ont que des ultis de merde en plus. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est que. C'est vrai qu'en vrai, le Cypher qui se met sur la caisse. Il y a personne. Y'a rien pour plus, l'aider. Ouais. Y'a Syned, mais vas-y, Syned, moindre truc, frère, il va gâcher. La flemme. Ouais, Syned, c'est ça. Je te jure, il a fait un coup d'épaule. Il a fait, vas-y, Salam, c'est bon, j'ai bait pour toi. Parti comme un voleur, frère. Non, en vrai, là, on est bien actuellement, les gars. En vrai, on est bien. Mais ce round-là, il est très, très important. Y'a un truc qui peut nous mettre encore mieux, là. Je sais pas si ça a été fait encore. C'est que depuis tout à l'heure, il joue pas le B. Et y'a juste un trap en B. Voilà. Bah, frère, j'en pleure. Ah, dommage. Ok, non, c'est revenge, ça okay, va. Un pour un. Oh. Pas de oh, je le voyais le 2 balles à travers la spank là, dommage. Ok, oh, 4v4, on a perdu Martin. Je sais pas s'il avait son ulti, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense pas, ouais. Face à sa game référence là pour l'instant. Mais tu sais que ça me dérange même pas quand je joue pas le B du side. En vrai, les traps, caméra et tout, ça peut être chiant à détruire. Et en mode, vas-y. Non, mais en gros, il y a un trap entre B. Ouais, tout à l'heure, je l'ai vu. Genre, juste casser ce trap, ça va y rendre fou en face. Ah, tu veux SED. Certain Destroy, il veut dire. Je parle le Kameto. T'inquiète. Hop, voilà, on voit le trap, la caméra, on l'a pas. Je sais pas s'il l'a activé. Il l'a activé et désactivé instant, je crois. Ah, c'est bon. Voilà. On a vu 3 gars et Omen, on sait pas où il est. Côté fut. Et voilà, Fatik a dit on va pas aller en B, ça me va si on va pas en B de tout le truc, et on va en B. Non, on peut, mais genre ça me dérange pas si on y va pas encore. Genre après c'est du midrone, on perd le dualiste et tout. Pas touché. Ok, Narrage, j'en pleure. Ouais, duel très important. Il va rester sur le site, hein, il veut tuer frère. Il veut tuer Narrage, il va tuer Narrage. C'est bien un abri avant de mourir. Il a un burger mon frère, c'est un... Ça Hummer H12 ou je sais pas comment H4. Tu les appelles. H4, ok. Un Mbappé. Il est TJ. Et ciao. 17. Le Ritech, c'est du deathmatch, frère. Ils ont rien pour des cales. Ils sont juste là en train de. Laisse tomber, frère. La Ritech, c'est de l'attaque. Hein. Ouais. C'est de l'attaque. Et leur compagnon d'attaque, il n'y a pas grand chose. Même s'ils nous ont mis une fessée. Allez, j'aime bien. Hein. J'aime bien là comment on remonte. Oh le baiter Riyad. Oh le baiter. Normal, c'est bien de bait de temps en temps. C'est qui le plus gros baiter entre toi et Brahms, Fachi? En fait, il y a un truc qu'il faut qu'on t'explique, c'est que Fachi... Hein ouais. Fachi met des maîtres à tout le monde dans son équipe. C'est-à-dire que quand il rush, il lâche pas sa ouais, touche. Ouais, bonhomme, il court. Donc c'est impossible de le bait. Okay. Alors que Brahms, il a la touche cassée, lui. Non. Moi, ça va, c'est modéré. Ouais, y'a des plus gros baiters que lui. Oh, Syned, frère, okay. Il me casse les couilles. Non. Sans tuer en écho, hein. Ouais, c'est fine, on a fait reculer. Ouais, on va pouvoir planter. Juste là, c'est le positionnement, et surtout, y'a plus de killjoy. C'est bizarre, je me sens bien, là. Hein? Y'a rien, là, pour Ritech. Ouais. Ah, bah, voilà. Ça peut être banni, ça.
tu vas être banni du TS. Là, je suis bien. Ça se déplace très dangereux. Arrête, attends, c'est parti. Arrête, sérieux, les gars, la Ritex, c'est de l'attaque. Là, y'a rien, y'a juste rien du tout, frérot. Ouais, bah, jeter des coups d'œil, c'est tout, y'a rien d'autre là. On a quoi, nous? On a une satchel, pas le barrage, mais une satchel. On a pas grand chose pour les arrêter là. Ça va être la bagarre. Double visu. Oh, non, non. Ah, ce duel était important là. Là, 2v4 à réceptionner avec les molos, c'est dur. Martin. Frère, t'as une nate. T'as un ulti en plus. Ouais, c'est bon. Nate, surtout. On a gagné. On a gagné. Moi j'aime bien, c'est tout. Voilà le frère. Désolé. Je t'ai critiqué, j'ai dit que c'était pas ton match référence. Mais il faut jamais critiquer. Le meilleur joueur du monde. Ace, directement. Non, mais il était un peu dormi dans ce match là. Oh, par contre, le duel sur Sage, il a bien duré longtemps des deux côtés. Après, je vois, c'est bon, une fois qu'il est calibré, c'est carré. Là, l'année, elle est partie, c'était fini, frère. Ah, tu voulais entendre, hein. Ah, bah oui, tu connais, on veut vivre ces moments. Opérateur Cinet, je vérifie la team. Ils ouvrent la porte. En vrai, nos prises de zone sur Lotus, j'en parle un peu en stream, mais c'est vraiment intéressant. Bon, là, dommage, on a la faute Cinet sur BP, est-ce qu'on va continuer? Il y a moins qu'on fasse un 0 à 100. Ah, c'est bon, frère, ils ont mis beaucoup de stuff, faut lâcher au bout d'un moment. Et Thomas, il est passé en sort. Ouais, mais personne n'est naïf de ça, tu vois. Moi, c'est bien, là. Après, s'il continue son move, à gauche, ouais. Est-ce qu'on pourrait s'infiltrer en B, sachant que... Et du coup, Thomas, il a même pas besoin d'avancer, là, il doit juste hold, hein. Ah. On a déjà le B. Ah, mais là, ça peut arriver de partout, non? Ah, mais regarde, le timing, non. Le timing. Ok, McDonald's en double coupe, hein. Ça se doute pas. Non, tu peux pas te douter, Sinead. Arrête. Fou, frère. Arrête. En fait, ils sont revenus en A, du coup. Non, ok. Non. En train de bouger. C'est pas sur une mini flic. Avec 5 Riyad. Le français Chine. Non, celui-là, il ne le mettra pas, mais bon. Il va le mettre. T'es un ouf, toi. Tu vas pas faire le mettre. Oh là là, il va tellement le mettre. Par le mec. Parfait, mais c'est ça. On peut toujours créer, en tout cas. Il veut gratter le kill dans le dos là, il le veut, mais. Ah, dommage, elle connaît son ancien joueur. C'était le début du clutch de gratter ce joueur, mais bon. Il fallait en gratter des joueurs. 11-8. On a de l'argent, hein. Non. Oui, hein, on a de l'argent. Je crois. Vraiment, on a de l'argent, frère. Peut-être un mec en écho ou quoi, mais genre, on va pas aller, quoi. Ah, c'est dommage, là, il y a des duels qu'on aurait dû récupérer. Bof, non, on n'a pas. Si, on a. On a, les gars, deux Stingers, ouais, c'est... Voilà. C'est des vandales sur nous. Après, on plante, tu kill Joy. Enfin, même l'orb. On a le revive de Kurals, mais après, c'est compliqué parfois à aller chercher en défense, en tout cas plus qu'en attaque. Aïe. On a un Cined qui va contrôler la dune avec l'opérateur. Ça pas de retour, c'est la team. Cette insertion. Ah, le retour C, il sera avec du stuff, hein, c'est gain up, je te jure, on va pas le faire nature. Oh, vas-y, arrête tes one way et tout, arrête ta comédie, frère. Bah, même s'il y a personne qui joue dessus, mais. En fait, ce qui est chiant et ce qu'ils font bien, fuite là, sur deux maps là, c'est qu'ils délayent bien les walls de Sage. Ouais. Et c'est ce qui nous casse les couilles depuis tout à l'heure. C'est que j'en rêve, on achète une Odin, frère, le wall de Sage, on est... Voilà, t'as capté. Ouais, j'ai capté. On l'automise. Par contre, Sinead, il prend de l'espace, ça veut dire que ça va de plus en plus stacker autour du A. Le rotate en B, je crois, on se dit que c'est un peu trop de bourbier, le A. Ouais, on a un point d'appui. Et là, ça va checker à droite, du galop. Ouais, ok. Oh. Au niveau de ils la porte. Ils pourront pas contester. Ah ouais, c'est un BP B free, pardon. Comment il va jouer après? Il va nous casser les couilles, ulti Viper magnifique. Ça c'est un ulti de fou. J'aime bien, si tu veux savoir, j'aime bien l'ulti quand même. Je veux pas savoir, je t'ai rien demandé, Zabi, ouais. Dingue, les gens, tu leur demandes rien, ils disent. Aïe. Je veux pas savoir, Zabi, je t'ai rien demandé, moi. C'est ça le problème, dès que t'aimes un truc, c'est l'inverse qui se passe. Bah après là il a repris avant, l'ulti était bien mais on a pas pu couvrir avant quoi. Les Turcs sont tout à fait fiables. En plus quand il a quand même dit j'aime bien, je dis non s'il te plaît ferme toi. Frère c'est juste il était déjà sorti le frère, c'est pas la responsabilité de l'ulti là. C'est pour ça les gens ils veulent pas que tu te prononces aussi, c'est donc pour ça. C'est pour ça ouais.
Parce que moi je viens de découvrir là en fait là. Bon. On a force à nous. Oh, on est pas mort hein. Ok, il loupe. Ça c'est bien ça. On a un ulti raise, non, on a pas d'ulti, on a le killjoy. Yushuban. Il va le même passif. Il va aller passif jusqu'au bout celui-là. Oh, le mettre passif comme ça. C'est nul de le mettre comme ça un peu, non? J'avais, oh, il a quitté, je ouais. Le savais, je le savais. Ah, oui, il est ah bah voilà, bah vas-y, bah Psartek. Tiens, Hellbook, voilà, c'est une dinguerie de faire ça, frère. Laissez-nous un peu un petit round là. C'est dur parce qu'on a en plus de ça un Martin qui est un mort-vivant. On n'a pas planté hein. V5 aller chercher pour la casser et s'offrir une chance de plus d'aller en overtime. Ah, c'est trop bien joué. En tout cas, pour l'instant, on veut aller chercher. C'est trop bien joué. Allez, c'est pas fini les gars. Du moins une égalisation numérique, l'avantage. Faut se battre au CT là, non? Ouais, mais j'ai une double vision ciné de mon frère. Décale un peu trop, prends-toi une patate là. Non. Non, non, le timing. Oh, vas-y, Thomas Soum, à la bulldog, c'est dur mon frère. 1v4 bulldog. Pas une vandale, je crois en toi. Bulldog, j'ai du mal le frère. Faut chercher un duel maintenant, le problème c'est qu'il y a des systèmes de vengeance. Ah, là, il y a l'opérateur en plus de tellement de systèmes de vengeance, frère. Oui, ça fera 1-1. Ah, dommage, on a trop glissé en défense. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous coûte la map cette défense parce que derrière. Sur une carte de Lotus qui a été très bien joué de leur part. Ouais, il y a de la puissance de feu et il y a de la maîtrise et. Allez, on va finir sur Breeze. Hein. Pas 2-0 ouais, aujourd'hui. Breeze, j'aime bien, mais il y en a, il la déteste ici. Là. Moi, j'aime pas Breeze, moi. Ah, moi, vous êtes pas à la détester. Je crois que c'est la pire map tout FPS confondu. Et ça, je prends pas de risque. En vrai, il y en a eu des maps de merde quand même. En vrai, moi, je préfère commencer en défense dans les maps 60-40, comme ça. Ouais. Tu mets le pistol, il y a une petite glissade au bonus et tu snowball. En fait, le truc chiant avec cette map, c'est que ouais, le snowball, il est vraiment snowball plus. T'es obligé de prendre des décisions très tôt dans le round et tout, donc. Non, on joue quoi en 2-1-2 ? Et c'est la jet en retard ? Par contre, on va jouer retake. Hein. Attention, Thomas, là, ça va être dur pour lui de s'en sortir. On a un wall retake en défense, là. Regarde le wall. Ouais. Ça, on l'avait déjà vu, je crois. Par contre, il est touché, jamais les checks. Hein. Jamais les checks. Heureusement que ça va pas dire. Oh oui ! Bon de vie. Et ça se fait pas de faire peur aux gens comme ça, frère. Effectivement, alors c'est un 4v5 à l'échelle. Allez, l'arrêté qui part. Ils vont jouer dans le main. Il y a Atakaptan qui est dans le tube. De reprendre l'information dont Atakaptan prendra juste le. Ça va repasser par le mid aussi. Double porte. Riyad qui va faire un kill sur Krax. C'est revenge, Martin. Martin qui va tomber. C'est revenge. Voilà, c'est que des trades. Mais c'est un autre avantage parce qu'on est en supériorité numérique. On a fait la half. C'est bon, carré. Qu'est-ce qu'ils sont forts en réalité quand même. Ouais. En fait, là en plus, c'est une map vraiment, tu vas le voir dans leur sac de défense. Ils vont tout le temps accepter de jouer retake si ça vient pas où ils sont en surnombre. Ils vont laisser tout l'espace chercher les coups et ensuite reprendre ensemble. Ouais. Et c'est l'une des ils sont vraiment forts en retake. Hein. Ah oui, frère, c'est notre spécialité. C'est pour ça qu'ils ont fait une trop pointe retake tout à l'heure. Tu sais que ça me choquerait vraiment pas. Hein. Bah, je tu te rappelles sur Sunset, quand je te disais, ouais, genre casser c'est n'importe quoi les retakes, mais dans le bon sens, tu vois. Ouais. Et c'est général, enfin global, elles sont vraiment bonnes les retakes de casser. Ouais, peut-être qu'ils ont juste prep la map. C'était quoi, t'es sur Bind la compo anti-retake Non, Lotus là. Tu sais que même Bind ça peut être un peu le même plan de jeu aussi, hein, accessoirement. Juste un peu plus compliqué à mettre en place quoi. En tout cas, un premier kill en l'avantage du Blue Wall, Martin qui continue. Attends, je vais baisser le son un peu. Allez, on a voulu juste tuer Martin, non? Ouais. Ils sont deux autres, ils ont deux Marshall quand même, hein, ouais. Je vois, non? Je veux dire, prochain round, ils vont avoir vraiment que leur. Attends, ils sont bien riches quand même à mon goût, hein. C'est vrai qu'ils ont de l'oseille, hein. Go, go! Est-ce qu'ils ont acheté tant que ça, pistol? Bah, du coup, non, c'est logique, je pense. Non, bah, tu sais, peut-être il y a eu les délires de kills, etc. Ouais, mais il y a eu deux kills, frère. Mais deux kills plus plan. Ils ont acheté que des Marshalls, là, ils ont pas pris plus, hein. J'ai pas compris. Hein. Ils écoutent pour jouer normalement, là? Bah, de toute façon. Attention. 4v4 maintenant, Magnum. Oh non, Martin, on va tomber là sur les.
sur les Marshall, mais on a pris un kill avec Magnum. Ça a été vu, hein. Ça a été vu, ouais, il est tout gécré de devoir lâcher. C'est un 3v3. 3v3, ça se met. On a un wall surtout. C'est des... Faut vraiment griller à 10 meilleurs points. Ça va être la clé du round. Oh, oh, le timing. Oh, il a pas tué. Oh, il a pas okay, tué. Ok, ok. C'est l'enculé. On est à 3, okay. Frère. Mais vas-y, meurs, The B. Ouais, je donne toutes les balles. Par contre, la Crax. Il a un classique. Il a un classique, le frère. Il a mis une sale flash. Ok. Hein. Ouais, mais moins 50. Suppressed. Ok, let's go. Suppressed. Et en plus, on garde les 3. Hein. Là, on va aller chercher des armes à droite, à gauche. On était à 3 sur le dossier, là, sur le cypher dans le main. Ouais. Ça a été un peu long. C'était dur. Allez. C'était dur, là, vraiment, il y a un snipe à récupérer. Ok, on va prendre double bulldog. Carré, carré, 2-0. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent, quand même. Waouh. Voilà, c'était un petit peu poussif sur les gunfights. Après, si on a récupéré le snipe et qu'ils ont des petits shields, on est bien. Ils mettent vraiment des shots de fou, frère. Individuellement, c'est solide en vrai, fut. Hein. Alice, on va passer un très bon moment en tout cas pour l'instant. Ça sourit au Carmine. Ouais, on a récupéré la outlaw. Ils ont full shield, y'a rien, frère. Je suis dégoûté. Voilà, ça va dodge le knife en B, aller en B ou. C'est pas l'histoire, hein. Je crois que c'est l'idée. Nous, ça va, jamais on a des traps côté droite là. C'est-à-dire, on va pouvoir. Potentiellement arnaquer des kills. Là, la reveal va partir, oh, ça va exécuter. Aïe 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 aïe. Il y avait la même pose tout à l'heure. Ok. C'est vraiment de l'anti-strat ça, frère. Ouais. On va déjà voir un l'air cassé qui arrive sur ce CT. La plante. Ouais, ça va. Heureusement que la rota elle est déjà là. Donc on n'a pas pris notre temps à tourner. J'allais dire, Belek. Belek, la rota elle est longue et. Ils sont là, c'est toi. On gratte un peu de dégâts là pour la hotlo. À droite, à gauche, ok, ça sort nature, peinture. Un pour un. Ouais. Il est loin, je peux s'y dog, ouais. Wesh. Wesh, Magnum qui va revenge. Mais Magnum, il est au ghost. Ah, ah c'est dur. Ah. Le duel très très dur. Ouais, Riyad. Et là, Riyad, mais bon, non, c'est impossible. Le kill de Sined, c'est le bonus. On a fait beaucoup de dégâts. On a fait tomber deux armes. De shield. C'est pas possible, mais on arrive malgré tout à remporter ce. Martin, là, toi, t'es une dinguerie, frère. Ça voulait sauter la ligne, non? Ils font tout le temps ça, à chaque fois. Ouais. Bon, après, sauter la ligne pour un mec au gosse, je sais pas s'il fallait switch, mais. Peut-être qu'il a une strat avec le bulldog, clic droit, tu sautes. Je parle sérieux, wesh. Wesh, je crois que c'était chez moi, carrément. Ouais, j'ai mon Discord, des fois, frère, ouais. Discord, il bug. Ah, bel avec Discord en plus, c'est en l'endroit dangereux. En panique total, réflexe. Ah, j'ai ré... Mais là, tu vois ce qu'il y a sur Discord, tu sais que ça serait parti en couille, le frère. Le drame a failli arriver. Je sais pas ce que ça aurait affiché, mais... Ah. Par contre, là, je crois ils vont full abuser de Thomasé. Hein. T'as casqué, il a tué. Il a raté, let's go. Thomas qui va tomber. Je crois qu'on a pris des dégâts, ouais, on a pris des dégâts sur le T-Sova. On est prêt à reprendre déjà, on regarde la position de la ratée. Ouais, Magnum, oui, Magnum, on a la smite. Personne se doute, hein. Il est bloqué, Crax, il est bloqué. Ah, jamais de la vie. Et là, c'est le dernier, hein. Fallin, auto. Les tags. Allez, enfuis-toi, frère. Avec son arme de cowboy, là. Voilà, Marshall. Triple kill. 3 orbes sur Caillou en plus. Parfait. Très gros round, là. Je veux un stomp, frère. Là, je veux un snowball psychologique. T'es allé fou. Parfait, parfait, parfait. Après, c'est bien en vrai. On a ulti Sova. Agression dans le main, là. J'aime bien. En plus, on les envoie en petit tachon. Très petit tachon. Flash reveal et on envoie Martin pour jouer dessus. Ulti Sova, un peu tôt non? Ça voulait faire un assassinat je pense. Ouais. Assumer. Ok bah parfait. On prend. Bang! Réagirons plus direct. Oui, oui, Thomas! Extract, c'est magnifique, c'est parfait. Thomas, tu as vu? Calme, calme, il joue bien, il joue bien. Là il joue sur la one way. Il est dans ma way.
Il se faisait complètement harceler sur ce début de carte. Il a pris les kunai là, à ce moment là. Ah ouais, le frère. Pour ça, le frère. Pour ça, c'est projet sportif. Il est... frère, il est confiant, je respecte. Ah, si on se fait crime, mon frère, sache que... Non, la vie doit être impossible, impossible. Je te dis impossible. Il y a un truc, sache que... Vas-y, moi. Je te le dis impossible, je le dis, frère. Tu vois, je le dis, c'est impossible. Désolé, j'assume, je veux le voir arriver ce coup. Je suis désolé. Frérot, ça n'arrivera pas, je le dis 100%. Mais frère, j'en ai vu beaucoup en tant que casteuse. Combien d'euros faut-il en 6 000 €? Arrête, chef. C'est plus de l'espoir. Oui, c'est mental. Voilà, j'ai pas des pressions. Discord, il se lance tout seul. Je crois, on m'a hâte. Hein. Ah ouais. En plus, c'est mon autre écran, Discord. Discord, il fait que de se lancer en boucle, frère. Je suis terrifié. On rigole, on voit pas le fond du bol. 15 secondes, Sinet va tenter. On est à la fin du round, les gars. 14 secondes, Sinet, hein. Avec les kunai. Ça plante. Frère. Sinet, tu es un grand joueur. Tu es capable de faire ça. Arrête de. Ouais, c'est dingue, tu sais, comme ça. Il est confiant, frère. Il est confiant. Aïe. Non, fils de. Comment c'est pas possible? Arrête! De fou là. Arrête! Non! C'est bon. Eh oui, non, mais les gars, il y a des trucs, ça existe pas dans le monde du jeu vidéo! Dans le monde de la compétition, on va pas se foutre de ma gueule, frère, ça existe pas, c'est tout. Ça existe pas. Non, mais moi j'ai assumé que ça existait pas. Pas de besoin. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé, mais. Ses réactions face à certains clips de la Carmine, mais avec le nouveau roster pour l'avoir rencontré. Oh là 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 là, frère, ouais. Surtout qu'on a vécu un truc comme ça, c'est déjà un peu bizarre. Ouais, le 4v1, celui-là, je m'en souviens de toute ma vie, celui-là. Opérateur pour Sinead. S'ils perdent, ils repartent en écho, hein. Ouais, bah là, c'est clairement. Par contre, il y aurait OP Sinead, comme t'as dit, sur Martine aussi. Dans le tube, est-ce qu'il va se faire punir Yetouge? Normalement, à ce niveau-là, les gens ils sont pas naïfs, il y a la cam et tout. Il a attendu en tout cas. Ah, mais un petit appel Maina là pour reprendre le mine, non? Depuis le NES. Ok, ça fait tourner, Yetouge il va jouer à son tour, je pense. Et là, il va surprendre des... ils vont surprendre des joueurs là, vous s'est entendu déjà là. Sur ce tunnel et Thomas dit toujours ça a tourné, frère. Ouais, c'est là c'est en mode vas-y c'est des tueurs. Regardez Magnum, hein. Non, Thomas qui va tomber. Ah, dommage, on va pas prendre ce kill. Arrête, tu vas tomber aussi. Martin qui va tomber. Ok, ok, Magnum sur l'opérateur, vraiment très très important. Ils savent pas qu'il est là. Oh dommage. Ouais, on se fendre. C'est mort. Dommage, dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. T'es mort, la team. Par contre, Martin n'a déjà plus d'argent, le frère. Hein. C'est écroulé. C'est écroulé individuellement. En plus, il a claqué les kunai, donc y a pas de. De douille possible. On prend le frère, il a une peluche comme ça là. Ok. C'est quoi? Ah non, le. Tu parles de la pieuvre là? Ouais, la pieuvre. Mais frère, elle est. Bah, laisse-le, frère. Toi, tu veux casser les couilles pour moi, frère. Pieuvre, wesh. Abraham, ton panda il est trop moche, je le dis. Mais frérot, quel panda? Le truc derrière toi là. Mais frère, ça fait 3 ans, j'ai pas stream avec. Ouais, mais c'est pas grave, il. Moche. T'as pas oublié. Ah. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté des. Magnum, hein, il a drop encore. Hein. Au niveau de Summit, on a également Bulldog, le frère. Sacrifice. On a plus que. Reprise drone, attention, est-ce qu'il va se faire décal? Ouais, il est check. Là, il et on s'est avancé pour Chine, on veut être proactif. Allez, oui, magnifique, okay. Martin, très bien. On va lâcher un direct, on a arnaqué, on part. C'est bien, c'est bien. Et tu es un hacker. S'offre l'avantage numérique. Juste, faut pas être curieux sur Cinet. C'est en B, normalement, en tant que gastrifer, on va pas être curieux, mais. Ça fait du bien là de pouvoir respirer un petit peu. Non, non, Thomas, il va être discipliné, frère. Il faut être discipliné là, y'a pas de. Attention, il a une pause, vas-y. Ah, nice. Mais y'a pas d'Axel. En vrai, c'est Axel pas vu qu'il y a. Après, il a eu le temps de mettre la cage quand même. Tant mieux. Le reste de l'équipe est trop lent. Tranquille, ils ont pas non plus énormément d'espace. En fait, j'ai peur qu'on over Rota depuis tout à l'heure. Magnum est toujours dans le coin. Après, heureusement, il est touché, il met sa présence depuis tout à l'heure. Du coup, ça nous empêche de tourner. Magnum, Magnum, magnifique Magnum! Allez, essaye de partir. Oh, lâche. Oh, dommage. Ouais. Oh, le bâtard. Oh, le travers. Par contre, drone à 20 secondes comme ça, je suis pas sûr. Hein. Il ne reste que 17 secondes et ça risque d'être. Il n'y a même pas de mur pour traverser, non. Les mecs orange, ils vont voir le cross. Il arrive, il a pu sa mère. Il faut avancer. Ah, il gagne du temps, Martin. Enfin, il gagne, t'es capté.
Tu l'as mis. Il a plus le temps, c'est très bien ce que fait Martin. Oui, okay, il y en a un qui est arrivé dans le dos, je regardais même pas la minimap. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il gagnait du temps depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est ça, il avait rien à faire. Il attend le backup, ouais, ouais, c'est ça. Juste il garde l'espace backside, il meurt pas, on a gagné le round automatique, je crois. Bref, dans ma 5-stack, j'ai gagné du temps, ça gagne du temps comme ça. Déjà, du côté on arrive à prendre ça. J'ai pas ça dans mes 5-stack, tu crois que tu vas l'avoir dans les tiennes, mes frères? Je jure, même chez toi, ça fait pas ça. T'as un flank de fou, tu dis attendez, j'arrive. Tu dis attends, ça court, tu dis cours, ça attend 30 ans, frère. Direction en A, mais c'est très tard. En fait, je sais que les mots sont durs, hein, dire qu'un round est affreux, c'est difficile, hein, c'est des mots crus, mais... Il est affreux le round. Quand t'es en désavantage numérique, t'es censé tenter quelque chose. En fait, moi, c'est juste 5-2, on reprend l'opérateur, ils en ont plus. On dit à Ulti et Kayo, et va être aussi. Anti Kayo, t'inquiète, regarde, direct. Wall Retech, Anti Kayo. Jusqu'à 15 secondes de la fin, et ça a été puni de la part des Carmine. Reveal mid, smoke... Mid banal. Est-ce qu'il y a encore une OP en attaque? Non, il n'y a pas d'OP. Oh, le timing Magnum. Non. Et là, il y a l'ulti, ils vont avoir toutes les infos. C'est dommage ça. Pas besoin d'aller chercher dans ce tube. En vrai, l'idée est pas bête. J'aurais aimé un doublon sur lui. Étant donné qu'on joue retake dans tous les cas. Genre un mec qui vient de la visu jeep. Je pense pas que le round soit si désastreux que ça. C'est dur. Au moins, l'ulti Caillou, il est claqué. Ça, c'est bien. On n'a pas amorcé du côté de Mr. Fallin, ça c'est une bonne nouvelle pour les Carmine, ça leur permet d'avoir un petit peu plus... Le roue n'est pas terminé aussi, mais juste là, va falloir prendre une entrée sur l'OP et tout. Ouais. Ok, on donne l'OP à Tomasi vu qu'il est lourd en plus. Martin va pouvoir... Il est toujours ici. Ouais, on va recréer le tube. Ah, dommage. Bon, là par contre, là, je pense que c'est... Ouais, là, faut laisser. Ils vont fouiller tout. Ouais, là, on le sait directement. Faut garder cet opérateur à tout prix. Ça fera 5-3, c'est carré, on est toujours bien. On va dire 60-40, 55-45, bref. C'est attack sided, mais pas trop non plus. 60-40, j'ai entendu, moi pas 55-45, donc j'aime pas trop que ça shift comme ça. Non, mais le 55-45, c'est le mien. J'aurais dit, genre. C'est ouf. Ah, calme, après tu m'as pas demandé quoi, encore une fois. Ah oui, mais encore une fois, je t'ai rien demandé. Ah, mais bon. Allez, 5-3, on garde l'opérateur, on a de quoi acheter, on est carré. On va rajouter quelques rounds là. T8-4, on est heureux, frère. T8-4, on est heureux. Sur le BPA, t'as l'ultimate de Crax, bah tu cours, tu lui cours dessus. Et derrière, c'était trop difficile à il y a quoi? Ulti Viper, Ulti Sova, ils ont encore un Ulti Sova là. Ça peut être criminel, hein. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que la spike, elle est loin, ils vont pas prendre le spike. Après, peut-être s'il met une reveal, il va la récupérer, je sais pas. Vraiment ce qu'il va faire en plus. Ouais, bah, de toute façon, ce niveau-là, on va pas la laisser. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon. Tu commences à compter sur le fait qu'il oublie la spike, on est mal barré, les mecs. Frère, l'année dernière, j'ai dû me démerder comme ça. Ah, l'année dernière, fallait gratter n'importe quoi. Aïe. Aïe. Il a été pingé du coup. Ouais. Il a vu sa tête juste avant que la smoke apparaisse. Mange un vilain pré-shot. Là c'est dur comme round. Et là c'est souvent en coupe. Ce qui peut être bien, c'est que c'est souvent en coupe, du coup il n'y a pas de reveal. Les blancs ils sont pas décalés. C'est bien. Oui, non, il meurt pas. On a raté. Ouais, là on save encore. Là on va nest en prendre l'opérateur, mais Sova est déjà là. Fallin est déjà là, ça fait peur. La juke tort. Il y a deux mecs low HP là en plus. Hein. Oui, Riyad. Il se met. C'est deux low HP. Il y a un ulti Viper. Ah non, c'est pas un ulti Viper, pardon. J'espère je du mec Elbow qui reprend un stomp là, mais. Ah, il fait le tour, il est tué. Allez, Lilo. Non. Jamais les deux Riyad. Dommage. Nestrain. Il est bon, il est fort. Putain, ils ont 10 HP, 10 HP, frère. 5-4. Parce que là, c'est pas des rounds qui sont vraiment close. Pour moi, ils devaient déjà partir économisant en fait les joueurs de Capitaine. Ah, celui-là il fait mal. Il force le but en face. Hein. Celui-là il fait mal, il sait qu'il doit attendre un tout petit peu de temps en plus. Petit timing supplémentaire. Quand t'es une sentinelle comme ça et que tu te fais full oppressé, mais tu sais que les gens ils savent comment tu joues, ça casse les couilles. Là j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Genre, ouais, sur Thomas, ils sont pas naïfs du tout, tu vois. Ils sont vraiment au courant de ce qui se passe. Et après, c'est du 50-50, est-ce que tu gagnes ton duel ou pas, quoi. Allez, vas-y, fais moins un, moins deux, c'est fine. Un peu de curiosité, mon frère.
sur Martine, la première ouais, et dernière sur ouais. J'aime trop la pose de Martine. Ouais. Martine, tu sais qu'il n'y a jamais personne qui check là-bas. Et regardez qui va check maintenant. Après quand il n'y a rien du tout mid, tu mets ton crosshair vite fait ici, mais... Ça commence pas à mettre des flashs comme ça. Allez avance Inès, il a flash ton teammate là. Avance frère. Il va pas. On m'a volé mon goûter. Il troll pas wesh. Les phrases de... Il doit troller wesh. J'ai un mec dans le chat, j'ai jamais pas dit non s'il check. C'est en train de péter son crâne. Attention, le knife. Et là, la mollo, ouais, la mollo reveal. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, il arrive à... Non, ouais, il miskin, ouais, ouais, de l'harcèlement, frère. Il peut rien faire. Pour les Carmine sur ce V. Est-ce qu'on pourrait aller chercher les okay. Légalisations pour les Turcs en tout cas. Allez, Martin. C'est le. Il y a mon cross. Martin, je suis à mon 3. Martin, oh Martin. Putain, s'il avait enchaîné. En plus, l'ulti va faire tomber du coup. Ouais. Ouais. 5-5. Ah, le 5-2 était bien. 5-3, on disait ok, mais là, 5-5, c'est un peu chiant. Ouais. Que Thomas joue tout seul. Ouais, dans tous les cas, on a 5 pour l'attaque, mais vas-y. Le pauvre, genre vraiment, là, j'ai de la... I'm out. Non, je pense pas. En vrai, y a rien, en vrai, pour l'instant. Je le souligne quand même, la volonté de laisser les joueurs essayer de trouver la solution. D'éduquer son match, là. Très bien. Là, il la trouve pas. Là, concrètement, il la trouve pas. Je sais pas ce qu'il peut faire, si time out quand même. Tu as vu le chat. Je sais pas ce qu'il peut faire. En fait, moi, je vous dis, c'est fin de side, donc... Et c'est à chaque fois. Et c'est parfait. Je t'en fous, après s'il y a de quoi gratter les deux rounds. La flash, la mollo, c'est ça qui le tue, hein. C'est pas l'ultimate de Mr. Falling, c'est encore allez, la mollo. On peut plus Ahmed, il est énervé, Ahmed. Il faut qu'il joue wall, il faut qu'il joue CT, mais derrière, ça veut dire qu'on concède la... Est-ce qu'il faut genre vraiment abandonner le B ou bien le renforcer? En fait, je pense qu'avec la compo, la double initiateur, faut qu'il continue à prendre des infos, mais qu'il reste pas trop ou... Après là, il y avait l'ulti Sova, quoi. Ouais, parce qu'en fait, ils sont restés 3 tout le round avec un joueur top mid. Et je crois qu'ils avaient pris des infos au niveau du main avec Reveal, Knife, tout ça et tout, et il y avait rien, mais genre, je sais pas pourquoi ils ont pas tourné. Est-ce que c'est parce qu'ils y croyaient pas? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils jouent énormément le B depuis tout à l'heure, Fut. Ah bah depuis qu'ils ont... Ils savent comment Thomas il joue, lui déboule dessus. Là il y avait l'ulti Sova, donc vraiment c'était impossible pour lui de s'en sortir. Ouais, et je pense que Martin il s'est mis mid parce que depuis tout à l'heure justement il split B. Il ah ouais, dit, ouais, il a pas trop le mec Elbo. Ok. Ouais, il... c'est bon. En vrai, vu qu'on a le setup de... Enfin, on joue Cypher plus le wall de Viper là, j'aime bien là. On a la face rota mid aussi. Ah, ils ont la bonne read. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que quand il n'y a pas le wall en A, ils sont en mode bah vas-y go. Ok, bah carré frère. Hein. Moins 1. On a touché. Je crois qu'on a touché. Dommage. Il va tomber, il y avait un deuxième kill à gratter là. On a un écho, mais on a claqué un ulti. Ok, on la machine était blanc, il est tombé. Magnum, oh Magnum. Ah, t'as capté un HP. Hein. Après, ils sont tous défauts, on peut gagner le round là. Ouais, ouais, ouais. Ok, il a une tête. Thomas, 2v2. 1v2. 1v2. 1v2, pardon. Let's go, faut passer. Incroyable! Incroyable! Ouais. Let's go, garçon. Let's go. Magnifique. C'est le mec qui tient le site B depuis tout à l'heure. Il s'est vengé là. Ah ouais, c'est lui. Et ce mec là. Le petit Tahagar, il est revenu. Qui là finalement c'est quand ça se joue pas sur son site, il dit c'est bon là. J'en ai pas. Magnum, heureusement qu'il prend son kill aussi. C'est bien, gamin, c'est bien, c'est bien. Parfait. T5. Le fou du staff. Eh ouais, lâche les trappes. Ah, par contre, on a plus le wall en B. Ok. Dans l'armure. Ulti Viper, ah bah la Viper, force. Voilà, comme ça, c'est quoi, il y a un caillou en face, ulti? Ouais, il y a ulti caillou, c'est pour ça. Vous comprenez pas pourquoi il y avait setup anti caillou. Là, ils le savent, de toute façon. Sachant que le B a attends, le trap. Ouais. Avec le trap, il est pour Wemby. Est-ce qu'on va des futes, on a duel de snipe ici. C'est Fallin à l'OP. Non, il était pas. Il se repositionnait, il s'est ouais, endormi. Il était pas encore ligne fixe. Ah non, il s'est endormi, le frère. On va vous prendre deux sites. Hein. Ah, et ce que j'ai peur, c'est un peu comme tout à l'heure. Ah non, ok, ça va. Alhamdoulilah, j'ai pas fini ma phrase, ça allait me banner. J'avais peur comme tout à l'heure sur Bind, ça garde les ultis là. Allez, travers là.
Wesh, Magnum, il est fou, frère. Bah là, il essaie de, c'est d'arnaquer un... Après, là, il doit attendre que le mur se recharge, hein. Ils sont pas très confortables, là, les joueurs fétiches. Ouais, mais là, la porte est ouverte, là, ils sont sous pression de baiser. En plus, il y a une coupe. Magnum, il est mort vivant. Magnum, il va prendre un kill. Attends, vas-y, il a fait un kill aussi. Magnum, il tombe, il était low HP. Non, il a un HP, il est touché. C'est Riven Farshim, c'est un V2, il y a un opérateur, attention. Ok, la drop, l'opérateur Fallin. Allez, Riyad, tu l'as déjà fait. Est-ce qu'il va... Ah, il est repéré du coup, enfin même si on savait plus ou moins où il était. Allô, ah, ils ont tout cross à deux. Ah, ils ont bien joué. Ah, là, ils ont vraiment surpris là, 6-6. Allez les gars, ce match il est pas facile, hein. Ce match il est vraiment dans la douleur, hein. Deux temps de jeu, hein, la cassée qui s'envole d'abord au score. Ah, il était en train de se placer, Martin, donc on voit des futes qui recollent. Ah, fait mal. Et puis après, ça se renvoie la balle. En tout cas, on va complètement even pour nouveau side. On a des compositions qui sont complètement miroirs. Comment on va la jouer maintenant, cette défense du côté des futes? On a un cypher en B. Allez, on a mis le pistol en def. Hein. Il faut en mettre deux maintenant. Et grosse performance, hein, de Magnum. C'est vrai que j'avais pas trop jeté un coup d'œil au scoreboard. Il faut en mettre deux. C'est fort, j'ai sous-estimé. Après, les gars, ils étaient vraiment. Ouais, ils étaient attendus, ça. Ils ouais, y'a personne qui est choqué que ça joue bien en fait. Hein. Même le match où on les a battus au kick-off, c'était tendu. Mais il y a des idées, il y a de l'individualité à la fois. Fuite, s'il partait au Masters, ça m'aurait pas choqué s'il gagnait aussi les Champions. Ça. Pas les Champions de Masters, ouais, t'as capté. Sachant qu'il continue à faire il est tout whippé. Ah, non, mais vas-y. Frère. Non, il s'est mal exprimé. Il voulait pas dire les Champions. Non, mais les Masters. Qui va se jouer, mais ça, pour l'instant, ça fait clairement l'affaire des futes. Ouais. On n'est pas du tout. Oh non. Ouais. Après, si ça va top 1000, c'est. Wesh. Mon gosse, il marche pas comme ça, moi. Ouais, il a tellement bien marché, son gosse. Ouais, je pouvais pas arroser un peu, frère. On est dans la merde. C'est trop beau. Martin a raté. Il se donnait pas un S. Il y en a un spawn. Il se donnait pas un S. Vas-y, il va me casser les couilles. Il va prendre son S. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas ce qui se passe là. J'aime pas ce qui se passe, chef. J'aime pas ce qui se passe, chef. Par contre, il a vraiment pas. Il a pas bégayé. Hein. Il a pas bégayé hein, sur les 3 balles. 3 balles, 3 kills, il a pas à bégayer, même s'ils sont de dos. On a déjà vu des glissades de dos. Il y a un seul joueur, il y a déjà eu des glissades, alors 3. Bon, on est en full écho. On s'en branle. Full classique. Alors, on a un outlaw qui a été acheté par Mr. Fallin Sined qui nous fait un ace au round. On se fait bouger là. Forcément, il peut prendre la vandale. On a un 5 qui est proposé par la KC, mais ils sont repérés par le Knight. La solution, là c'est que le début du side, donc y a pas de problème pour de solution pour l'instant. Ouais. C'est juste fait éteindre, mais rien. Ouais. Ok, narrate, c'est bien. Oh, il a casqué, frère, il tombe. Le round il devient vraiment jouable. On est au classique. Ok, Riyad. V3, 2, 1v3 du coup, au classique. Avec 20 HP Magnum. Tout seul, l'IGL de cette formation, je t'aime bien, mais là c'était vraiment dur là. Allez, on part en round bonus. Et là, là faut tuer là. Là faut tuer là. Là il faut tuer la team. En vrai, ce round il fait peur parce que si tu le perds, t'es dans la merde. Ouais, c'est chaud. Et même psychologiquement, là, ils ont mis quoi? Ils ont mis un round, les 7 derniers rounds là, cassés. Donc, ouais. Par contre, j'ai vraiment peur d'un truc, c'est que là, Sined en confiance, il a des kunai, c'est un bonus. Et même s'ils perdent le round, fut juste après, il a l'opérateur garanti. Bonus, ils ont double vandal, le kunai, outlaw, bulldog, frère. C'est un bonus très solide, chef. Ouais. On va jouer autour du A, Cypher qui contrôle le B. J'ai kiffé, merci beaucoup, merci. T'as le jeu en anglais ? J'aime pas. Et de mémoire, en plus, de mémoire, le side attack de Breeze cassé, je crois que je suis pas fan. J'ai un souvenir flou comme ça là. Bonne nouvelle au moins. Très bonne nouvelle la team. Et on reprend. Ah, KCB en or, KO là.
là-dessus qui va faire tomber à ta captain. 4v5, l'avantage est à la Carmine. Prise d'information de Magnum. Trap tube, le tube, il va pas du tout être joué là, c'est un reroll plan. Allez. Ouais, si, il va être joué. Stop and frag, il est vraiment bien là. Malgré tout, Mr. Fallin qui va répondre également avec son drone. Travail de carte. Va rien voir. Même si on a l'avantage numérique. Tu vas rien voir, chef. Il est lent, Splitter, ils sont forts, le frère. Ouais. Après, c'est assez reculé. Kunai. Non. Oui, Magnum. Oui, okay, Riyad. Magnum, ouais, Riyad. Parfait. Parfait, on garde les armes. On éteint l'écran, frère. Pati qui aime pas notre attaque sur Breeze. Non, mais je parle en général. Égal, flawless, les amis. T'as un bonus. Ah, ouais, sois honnête, sur le bonus, il y a deux Vandales. Le Vandal Kunai, Outlaw, oui, mais il tente Bulldog, quelque chose, frère. Il joue quelque chose et nous on joue en anti, justement en anti bonus. Enfin, c'est juste on a prolongé l'anti bonus de 30 secondes, ça fait enfin jusqu'à 30 secondes. Ouais, ah, ce que tu me racontes, frère, t'as tort. Voilà, frère. Voilà, bon. Garde cette arme, Marshall, mon frère. Bien le fait qu'on donne et là, on va snowball économiquement. Scénario parfait. Ah, il va le jouer, il va le jouer. Et il va l'éteindre, donne l'orbe. Et on a le petit caillou surtout, hein. C'est le petit caillou qui est incroyable. Donne l'ulti. OMG, j'ai le round Valoplan d'après. Ah, vas-y. Marshall, il va solo en B et l'ulti. Moi, j'aurais dit l'inverse. Il va solo A vers le tube et tout en fake. Désactive les traps, l'équipe elle va en B. Sur reveal. Ça, c'est un plat que j'aime bien, tu vois. Ah, la même idée, mais inverse. Inverse, ouais, mais le Cypher, il joue souvent. Tu sais, il met ses traps en B pour jouer en. T'as capté? Ok. Et tu veux désactiver les traps. Ah, bah, c'est pour ça que je voulais aller en B, moi. Mais ouais, comme t'as dit, il met les traps et il se barre en A. Ouais, du coup, tu veux désactiver ses traps. Donc, du coup, il doit aller en A. Yes, yes, yes. Là, je crois, c'est. Ah, on peut pas le savoir. Il y a le Stratbook là, comme et tout là. Là, il y a rien de tout ça là. Ah, c'est pas, ils ont pas mon Stratbook, c'est tout. Attention. Non, non, frère. Ok, ça va. Ok, un point, juste attention aux trappes là. Prenez votre temps. Ok, non, c'est bon, on meurt pas des trappes là. C'est bien, c'est bien. 4v3. Il n'y a pas de coupe. Là, c'est vraiment du. Ah non, c'est un 4v3. Oh, merde, j'ai pas vu de. Un 4v3, frère, regarde, il est tombé. Bah, on a pris un travers. Là, on va devoir jouer. Hein. Oui, il n'arrête. Ok, il a raté. Non, Thomas, il va tomber. La flash. Oh. Vas-y. Magnum, j'espère que t'as un bon fixe BP. En tant que sentinelle, oh. Magnum, il en fait un, c'est Revenge. Non, non, frère. Oh là, je suis dégoûté, ouais. Là, par contre, c'est dur. Là, on se fait reset, je crois. On a plus de thunes. Si, on peut racheter. Non, on a bien perfect au round devant. On peut racheter. Ah, ok, ok. Et derrière, eh bien. Comme tu disais, ah si, on a pris un trap, hein, c'est pas ce que je me disais sur Riyad. Ah, je l'avais pas vu. Le round, il partait tellement bien en plus, 4v3. Ouais. Ouais, 4v3, c'était pour eux. Ouais, 4v3, c'était pour eux, le frère. Hein. Bah ouais. Ah ouais. Parce qu'au début, ils nous ont tué travers smoke main bay. Bah, on a revenge, et après, ils ont pris le kill sur Riyad. Ouais. Juste, il a trade rapidement. Ok, ouais. Bonne nouvelle, il a pas dopé, les frères. Ouais. Tinette n'a pas dopé. Il va nous faire un 4K vandal, je vais exploser mon écran. Après ça, c'est tranquille, mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Tinette qui est confiant et joue agressif. Il n'est pas champion du monde pour rien, le frère. Hein. C'était son année. Hein. Son année avec cet OP. Je pense qu'il va faire que jouer Jet là, les prochaines games ou pas. Je sais pas. Bon, bah après, là, tu vois, il a joué Sage. Après, il jouait Sage déjà chez Hassan. Senti rush, on a repéré. Enfin, Fut a repéré Martine du coup. Ouais. On avance main B, on veut détruire les trappes. De pression en et là, il n'y a pas de trappe, hein. Il y en a un tunnel. On a ces deux joueurs, Thomasy. Mal BP. Juste, il n'y aura pas de wall, le wall il est en A. Ouais. On n'a pas l'info de Y2J sur le site par contre. Ouais, on se doute, hein. On se doute. De toute façon, il n'est jamais abandonné gratuitement. Ouais. Juste qu'on va croire qu'il y a le drone qui va servir un peu d'information à part YouTube. Bon jeu, là. Ouais. Et Adrien, double décale. Arrangez-vous, okay, bon. Les gars, pour décale. La bombe va les passer, au calme. Ouais, mais elle est passée. Il se fait wallbang. Non, non, t'es qui tombe. Tout ça par un Magnum qui est tombé des mains d'un captain. Martine, Thomasy. Non, Thomasy qui va tomber. Du coup, c'est un V3. Là. Non, on va save. Hein. Ah, ouais, c'est, ouais, c'est. Arrête, ça va, parce que si la Vandale il a les kunai, on a au moins deux armes. Mais vas-y, c'est bizarre là. Là, c'est bizarre là. Il a pris le wall 12, c'est le mec Ness qui l'a tué. Mid, je crois. Non, non, mid. Non, on aurait du smoke au niveau du.
Comment ça s'appelle là, le link Je pense qu'on avait rien, je pense qu'on avait vraiment rien. Okay. Parce que genre, justement, ça a claqué un drone pour pouvoir cross. Et ça prenait son temps, il savait que c'était un peu la merde pour cross. Ouais, pas de... Et en plus, Riyad, il a réussi à cross. Ah, ah, bon, il a pris une dinguerie. Non, mais il l'a vu, hein, il voyait son nom. Mais... Après, ouais. Je crois qu'il était juste pile au moment où il monte sur la caisse, il a pris son one top. Time out. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini, mais c'est dur de fou, frère. Là, il nous faut un exploit individuel comme dans nos joueurs. Ouais. Là, il faut un regain de. D'énergie. Ce qui me rassure, c'est que là, on a quand même les kunai plus une vandale. Donc le round, il va être jouable quoi qu'il arrive. On n'est pas en mode écho, écho de la Hesse. De cette formation turque. En face, on est contraint au semi-bye avec Martin. Allez, qui avait gardé la vandale. Alors il a ses knives sur ce round. Donc il pourra donner sa vandale à Narrate. C'est jouer ça. Son ult. C'est exactement ça là. Faut garder. Un petit peu d'eau au mur, faut mettre ce round là, même si celui-là il va être très très dur. Quelques rounds du moins pour se donner une chance sur cette carte Decider après Lotus qui était vraiment pas convaincante de la part de cette équipe. Mais moins de doutes dans le jeu. Je sais pas si c'est normal avec ses compos, mais. Parce que j'allais dire, pour l'instant ils ont rien fait, j'ai l'impression, en attaque. Ah, c'est vraiment que des execs simples, basiques. Après, la map veut aussi qu'il n'y a pas vraiment de long contrôle et tout, mais même j'ai l'impression là, il n'y a pas. Le mid, il n'est pas joué. Ouais, c'est vraiment un 5. C'est pour ça que quand je disais la brise de mémoire, je l'aime pas. It's not for nothing, les frères. Ok, on aura 3 armes du coup avec. Avec et on a l'ulti sauva. L'ulti sauva, il peut mettre bien. Ouais. T'as connu cette line-up ou pas? Non, je suis curieux de savoir. Voilà. Si je vois, ouais, bah, il va boxer, je crois, sur le tube. Là, il veut gratter un kill avec son ult. Là. Petite B classique, hein. Ouais. Donc, on est 3,5 là, il y a déjà un mec cité. Ouais, c'est ça, sur le tube. Elle a été détruite, les gens la connaissent maintenant. Oh, dommage! En plus, elle a été fois 2, ça dit, elle est un HP backside. Riyad il a une bande, après il est tout seul avec 4 points, vas-y. Ah, c'est trop dur. Attaque Captain, frère. Ah, c'est trop trop dur là. Ils avaient la bonne read, ils étaient en place. Et là ils sont dans une confiance inébranlable, mais il va falloir le faire. Ouais, le travail autour du tube et tout, tube mid là, c'est genre ils sont vraiment sereins, frère. Parfait, ils étaient tranquilles. Il fonce dans son trap. Non, ça arrive. Il y avait le trap de Cypher. Il y avait le trap pour le split B. J'avais l'impression qu'ils étaient plus du côté. Ils savaient ce qu'on allait faire. Hein. Sur le replay. Mais, bon, allez. Voilà, on était prêts. Hein, côté on peut acheter. Et à Opérator. C'était très bien lui. Il est tout seul. Et là, Opérator. Complètement aidant. Et là, on se fait stopper en B, on va en A. Regarde la minimap. Hein. Ouais. Ils savent. Hein. Ils savent, frère. Là, ils sont dans nos têtes. Là. Ils sont dans nos têtes. Là, tu peux split A. Ça peut, en plus, sur la tempo, ça peut être bien. Ça peut les faire douter et faire tourner en B, accessoirement. Et un opérateur bridge, ça peut. Ça peut, genre, être useless un peu sur le split A. S'il se fait wall ou quoi. On va voir comment on va mettre le stuff. C'est vraiment ça l'essentiel. Là c'est un 3 mais ça peut être un fake 3 quoi. Ouais. Bah, le problème c'est qu'il y a Sauva là. Ah, là c'est pas un fake, là c'est pas un fake le frère. Vraiment là le frère. Ouais. On essaie de la déborder mais il est pas tout seul. Attaque Captain sur le A, il y a déjà deux joueurs. Ah, ça va être dur les gars. Après, vu comment on freeze, regarde, on a dodge le couteau. On a dodge le couteau, ça c'est lourd de fou. Ah, y'a pas un mec qui se barre là, barrez-vous wesh. Wesh, casse-toi le frère. Les gars, po. Non, envoyez le drone. Derrière la pyramide, donc c'est bien fait. Tu l'as lu également, Magnum va essayer de. Lâche, on va le tag. Si on l'attaque, on a Lucie. Hein. T'as pris des dégâts. Non, Martin, il va tomber. On voit rien du round, le frère. Ok, il est mort, attaque Captain. Non, Thomas, qui va tomber, on comprend rien, s'il te plaît. 3v4. Riyad. On perd un raté dans l'histoire et on s'écroule là. Double de Faline. Triple de Faline. On n'a plus d'argent, regardez. 0, 100, 100, 100, 800. Il y a ah, plus là, un drone. Là, ils ont la raid. Hein. Ils ont la raid en face. Ouais. Ils ont pas bougé. Ils ont. Ça fait, je crois combien de fois ils ont le stack. Waouh. C'est dur là. Au moment où il y a le drone, tu vois, de. C'est dur de fou là. Qu'est-ce qu'on fait là? Bulldog. On va jouer le mid, enfin jouer c'est un grand mot, on va juste mettre une pression côté Magnum.
première. Peut-être ça va mettre énormément de pression. T'as une ligne qui va reprendre l'info au niveau du tube. Un petit duel là. Ouais, il nous faut un cadeau là. Drone comme ça, un stand. Le problème là, c'est qu'on claque beaucoup de stuff sans rien faire. Est-ce qu'on peut l'allumer? On peut pas l'allumer. En fait, voilà, là, je crois. Trop peur là. Ouais. Ah, ils sont pas en anti-KO. Ça peut être notre avantage, c'est qu'ils sont pas en anti-KO. Mais là-bas. Est-ce qu'on se doute de ça? Et à un moment, on le. Enfin, ils se doutent pas en façon. On va pas être trop lucide côté foot. La reveal elle va être trop longue, elle va provoquer une rotation rapide. Regarde là, là on voit déjà. Ok, ça va, il a pas touché. Aïe, tu j'ai craqué sur toi. Martin qui a eu une aide, Martin qui a eu une aide. Riyad qui va tomber. Attention, on arrête. Non, ouais, c'est fini. C'est fini. Ah, ils ont été solides en face. Hein. Ils ont été solides en face. GG. Bon. Il n'y aura pas de 3-0 into playoff instantanément. Après, ils ont vraiment bien joué en face. Ouais, ils sont forts. Hein. Ouais. Même pas une histoire de superbe de notre part ou quoi. Je pense vraiment qu'ils nous ont outplay. Non, en vrai, on va en 3 maps. Je pense qu'on se fait surprendre sur Lotus. On a du mal. C'est dur, tu vois. Ouais, ouais. La Lotus, elle nous met mal. Et Brise, ils ont vraiment bien joué. Et Brise, les maps Decider comme ça, bah. C'est un peu toi et ta chance à ce que t'es. Enfin, à quel point t'es fort ou quoi, tu vois. Stratégiquement, ils étaient au-dessus là. Dans ce ouais, ouais, non, ils étaient au-dessus, tu vois. Bah, on n'a pas. Honnêtement, on n'a pas in, tu vois. C'est juste, bah. Ouais, non. Ils étaient bien préparés. Ils étaient très, très bien préparés en face. C'est ça. GG à eux, ils étaient forts individuellement aussi. Hein. Ouais, individuellement, c'était solide. Mais après ça, on connaissait cette équipe. On sait qu'individuellement, ça allait cliquer. Ouais, après, on n'a pas fait notre map life. Notre match life non plus. Mais en vrai, ils ont vraiment bien joué. Ils se remettent bien là du kick-off. Ouais. Hein? Oh, on y va, frère, voilà. Vas-y, frère. Mais on doit aller au parc là. Ça vas-y, peut se vas-y, là. Vas-y, dégage. Vas-y, c'est bon, on y va. C'est tout, mais. Les gars, on va arriver en retard au stade, on va arriver en retard au parc. Tu vas enculer, frère. Non, mais... c'est bon, je vais cut. Les gars, s'il vous plaît. C'est bon. Continue de fermer sa gueule, frère.